pas. On nous en prie. Bonjour à tous, bienvenue dans Cataclic, qui parle ciné-série sur Gaming Live. Je suis Kerr et lui c'est Cardel. Et oui, et Bigby n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est au Japon à la recherche. On refait les vannes ou pas? Sur les traces de Godzilla. Et d'ailleurs, on va parler de Godzilla dans une news. Oui, oh là, c'est tellement génial. Oui, on a foiré le début, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... On était à l'heure, on peut pas tout avoir. Aussi, déjà. Sur les plans d'évacuation de sécurité des locaux, il est marqué que je dois être ici et toi là. Oui, parce donc qu'en du fait, coup, ouais. Tu es plus près de la sortie, donc c'est au niveau de l'ordre d'importance pour le fonctionnement de la ETV. On a apparemment plus besoin de toi que de moi. Donc voilà. J'espère que ça va bien. On salue, on lui refait la dédicace. Oui, on lui refait la dédicace. On salue Ashran qui va passer une excellente émission. Lui. Qui sur Twitter avait dit « Ouais, vous nous faites chier avec les morts, avec Robin Williams, on l'emmerde, etc. » Des propos très virulents. Très virulents, violents, voire même censurés. Ah, mais oui, mais d'ailleurs, Twitter serait passé sur ses tweets. Oui. Si vous les cherchez sur son Twitter, les plus virulents que je cite ont été effacés, bien évidemment. voilà. Le sommaire de l'émission, on va parler des Gardiens de la Galaxie, on va parler de ce qu'on a vu, on va parler de Need for Speed, on va parler de Robin Williams. On va parler des biopics musicaux qui vont pas tarder à sortir dans les 1 ou 2. Voilà, et voilà. Et on va parler avec le chat. Phoenix, on parlera avec le chat. Et on parlera de Zach Braff, on parlera de la série Helix qui décidément restera dans les annales comme une des séries les plus douloureuses à regarder. Une souffrance de chaque instant, chaque seconde, on a l'impression que c'est un peu un chalumeau qui se frotte contre votre prépuce. Bref, on y va et on commence tout de suite par « Mais qu'est-ce que t'as vu, Cardel ?» Ah merde, y a pas de jingle, j'allais lancer un jingle. Y a pas de jingle. Qu'est-ce que t'as vu ? Ouais, mais non, là c'est le « Qu'est-ce que t'as vu ?» Qu'est-ce que t'as vu, Cardel ? Alors qu'est-ce que j'ai vu moi dernièrement ? Ben, je me suis On raconte notre vie pendant 5 minutes. Oui, c'est notre petit kiff à nous, on raconte notre vie. Alors moi hier, je me suis fait un espèce de magret de canard, tu vois, on me dira des nouvelles. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la série From Dusk Till Dawn, tirée du film. Ah stop, on arrête l'émission, mais déjà il m'indique que Kate Mara aurait fait un Nice Bouquet Challenge. Du coup, on va regarder ça. Non. Parce que du coup, je sais pas si t'as vu ce de Bill Gates, de Ronaldo, oui, de Zuckerberg. Oui, et moi j'ai vu c'est quoi l'Ice Bouquet Challenge, et personne n'a réagi sur Twitter. J'avais mis « Ouais, ça doit faire mal au visage ». J'étais très content de ma vanne, ça m'a fait rire moi dans le train, et ça a interrogé beaucoup de gens qui étaient à mes côtés. Peu importe... ah non mais là, en plus ça dure que 27 secondes. On est obligé de regarder l'Ice Bouquet Challenge. Vidéo, oh, mon Dieu, qu'elle est belle. Il récupère pas la vidéo là-bas. Si, je la récupère. Donc blabla, 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 blabla. Mais tu sais qu'en photo, je la trouve moche, Kate Mara. Sodo. C'est très frustrant, je pense, pour ceux qui nous regardent. C'est dommage pour ouais, vous. Ouais, oh là là, vous avez raté une vidéo de Kate Mara. La vidéo absolument géniale, si elle a pas l'Oscar. Pour cette vidéo-là, je ne comprends pas, je crie au scandale. Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé alors pour alors revenir moi, j'ai regardé From Dusk Till Dawn, la série tirée du film de Quentin Rodriguez. Robert Rodriguez, ouais, c'est le cousin. Robert Tarantino et Quentin Rodriguez. Voilà, c'est celui-là. Non, ouais, j'ai regardé la série, alors... Alors, tu peux le dire, c'est une série adaptée du film Une Nuit en Enfer. Oui. Donc, c'est une série adaptée d'Une Nuit en Enfer par Robert Rodriguez. La série, ça commence bien, oui. Ça s'essouffle très vite, et à partir du 7e épisode, c'est what the fuck complet. J'ai pas vu le film, faudrait que je regarde pour comparer les deux, parce qu'il part dans un style très particulier pendant les 5 premiers épisodes, et ça change du tout au tout à partir du 5e. Oui, mais c'est le film, c'est exactement ça. Ok, bah c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien voir le film pour comparer. Mais est-ce qu'ils sont arrivés au Titi Twister? Non.
Le Tilly Twister ? Ah mais oui, mais bien sûr que oui, d'accord. Ils sont allés, okay. Ils arrivent. Oui, parce que moi, je me suis arrêté à l'épisode 3, gagné par un profond ennui, alors que le premier épisode m'avait vraiment plu. Ben, j'ai eu, en fait, c'est un peu une série en montagne russe, quoi. Et effectivement, le premier, deuxième épisode, j'ai adoré. Tu arrives au troisième épisode, tu te fais chier, il se passe rien, complètement. Puis ensuite, tu arrives au quatrième et tu te dis, ah tiens, peut-être qu'ils m'amènent quelque part, c'est intéressant, je vais suivre leur road trip. Et puis, arrivé au septième épisode, au final, tu te dis, bon, bah, pff, c'est un peu chiant. C'est la fin de la série, fin de la saison, le septième ? Non, c'est le dixième. Ok. À partir du septième, ils arrivent au Tilly, voilà, Tilly Twister. Et après, ça part complètement en couille et pas très bien fait, malheureusement. Mais les acteurs pas très bien choisis. C'est un peu kitsch ? C'est complètement kitsch. Mais le film est complètement kitsch. C'était volontaire de la part de Robert Rodriguez. On avait vu Planète Terreur il y a quelques années aussi, qui était kitsch à souhait avec Bruce Willis. C'est un greenhouse. Donc voilà, mais bon, pas mal. Sinon, alors là, ce sera mon coup de cœur de la semaine prochaine. Alors, je n'en dis pas trop déjà. Du coup. Ça s'appelle Cosmos, A Space-Time Odyssey. Tu sais que j'ai demandé, juste après que tu aies tweeté, j'ai demandé à mon oncle américain de me le trouver. Il me l'a envoyé par la poste. Non, il ne l'a pas encore envoyé par la poste. Bah, moi, je pourrais te les envoyer par la poste. C'est fou. C'est génial. C'est un... En fait, pour faire très court et pour pas trop spoiler le coup de cœur, c'est des documentaires de 45 minutes faits en 13 épisodes de vulgarisation scientifique. Ils partent du plus petit pour arriver au plus grand. En gros, on va parler de l'espace, de la formation des espèces, de comment des hommes comme Galilée, Newton sont arrivés à faire ces déductions-là, juste en regardant des étoiles. Newton, c'est l'actrice fan du Newton de Mission Impossible. Tout à fait. Okay. Newton Beach. Ah, ça marche pas, c'est Newport, Newport Beach. Ça marche pas. Wow, mais t'as pas l'air très calé en série à la con. Et ben pourtant, j'ai tout vu de Newport Beach et c'est comme ça que j'ai un peu appris l'anglais d'ailleurs. Et c'est bien Newport Beach ou pas ? Ouais, j'avais 14 ans. Ok. C'est bon, cool. J'ai plus 14 ans malheureusement. Et sinon, j'ai pas pu aller voir I Wish I Was Here de Zach Braff. Le rôle de ma vie pour ceux qui sont picards et parlent français. Le rôle de ma vie. Et puis du coup, j'ai regardé Garden State que je n'avais jamais vu. Un peu déçu. L'état jardin. L'état jardin, pour ceux qui vraiment sont québécois et traduisent tout. L'état jardin, calice. Et un peu non, déçu. C'est bien, Garden State. Il se balade entre du Woody Allen et du Coppola, sans jamais vraiment toucher l'un des deux. C'est un espèce d'instant de vie qui est intéressant par moments, mais ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas grandement. Voilà. Mais j'ai aimé. Hein. C'est bizarre de dire j'ai aimé après ce que j'ai dit. Mais voilà. Et toi ? Qu'as-tu vu ? Eh ben alors, il faut que tu me le... Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses cette semaine. Tu as vu beaucoup de choses. Et alors, j'ai pris des claques cette semaine. Je ne m'y attendais pas du tout. On va commencer par les déceptions. Au ciné, j'ai vu Planes 2, donc qui est la suite de Planes 1, qui était, lui, un spin-off de Cars de Pixar. Cette fois, Planes, c'est fait par Disney. Après un premier Planes qui, on peut le dire, a raclé le fond de la cuvette, Planes 2 relève un petit peu le niveau, mais ça reste quand même du Disney très moyen et comparé au grand Pixar de l'époque, un vrai nanar. Mais ça se regarde gentiment si vous avez des enfants à emmener au cinéma. Autre film que j'ai vu au cinéma et qui est sorti cette semaine, c'est Black Storm. Le film sur les tempêtes. Le nanar de l'été. Eh ben, c'est une grosse merde, mais ça fait quand même super plaisir parce qu'il y a des tornades et elles sont vraiment bien faites. Et quand il y a de la tornade, moi j'attends le jour où ils vont me sortir une série ou un film avec des tornades et des que pirates. Que des tornades. Non, des tornades et des pirates. Ah, voilà. Des pirates pris dans une tornade, ça doit être génial. Tornado Sail, tu vois, un truc ouais, comme ça. Ah ouais, oh là là là. Donc voilà, Black Storm, si vous avez envie de, si vous avez envie de passer un moment sans vous prendre la tête devant un film où il y a des tornades, eh ben sautez dessus. Sur mon écran de télévision, j'ai été effrayé par ce que j'ai vu, puisque j'ai regardé trois films catastrophiques que je vous déconseille vivement. Le premier est Sabotage avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington d'Avatar, qui est dans un rôle incroyablement nul. Il est mauvais, hein, mais c'est à ce point. Ah non, mais en plus, il a un look improbable. Sabotage, c'est un massacre. Pourtant, le casting est pas mal. Il y a Sawyer de Lost. Il y a Tom Sawyer de Lost, oui. Il y a l'actrice héroïne de la série The Killing, qui est une immense actrice et qui joue hyper mal dans ce film. Mais je n'ai pas eu que Sabotage dans les pattes. J'ai également eu le film Need for Speed. On en parlera un petit peu plus tard. Beaucoup, on peut en parler maintenant peut-être de Need for Speed, puisqu'on est quand même sur jeuxvideo.com. Adaptation ciné, donc du jeu vidéo d'Electronic Arts. Et là, un truc improbable, d'un surréalisme fou.
Au niveau du scénario, c'est incroyable qu'ils aient fait un truc pareil. C'est vrai. Ça ne tient absolument pas la route. Le principe de base, c'est le héros s'est fait fumer par un de ses potes. Qui était Paul Walker, qui ça y est, n'est plus là. Voilà. Il veut se venger. Et pour prouver son innocence, il enfreint 40 lois dans tout le film. Il tue des gens, il provoque des accidents qui ont probablement tué des enfants dans des voitures familiales. Enfin, un massacre total. Mais c'est pas grave, c'est pour lui prouver son innocence. C'est atroce. Et alors à la fin, ils ont essayé de respecter le jeu avec donc les fameuses courses-poursuites avec la police. C'est d'un surréalisme fou et c'est triste de voir c'est triste de voir Aaron Paul de Breaking Bad dans un film comme ça. Tu m'étonnes. C'est vraiment raté, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Et pour Aaron Paul, hein, vraiment, qui lui est un grand acteur et qui fait vraiment ce qu'il peut dans le film. Et puis alors j'ai terminé... Alors on va finir ta critique de Need for Speed par... j'ai envie de citer le chat. On le fait assez souvent, vous verrez pour les nouveaux, on cite le chat. Et là, j'ai envie de citer ta mère qui nous dit « C'est vraiment une grosse émission de merde, ça vous dit de trouver un vrai job les gars ?» Mais t'en as un toi, moi aussi. Non mais je vais lui envoyer mon CV et peut-être tu peux peut-être nous trouver un truc ta mère. Mais ouais. Attends, on verra. Mais grave. Et donc j'ai continué avec le film Triple Entente, qui a quand même le privilège incroyable d'associer sur un même écran Cameron Diaz, Kate Upton et Nicki Minaj. Ça, fallait le faire. Plus, Jamie Lannister, qui a retrouvé sa main, allez savoir pourquoi. Ah ouais ? Et ce film est absolument catastrophique également. Trois gros navets que j'ai enchaîné avec des séries pas terribles. The Last Ship avec Mark Sloan de Grey's Anatomy, une série produite par Michael Bay. C'est très mauvais et on voit que Michael Bay est derrière. Helix, qui décidément est atroce. Hein. Cette série est vraiment ce que j'ai vu de pire à la télé depuis très longtemps. Hein. J'ai pas vu. Chaque épisode, je les regarde en me disant mais comment ça se... Mais parce que j'ai envie de savoir... Comme moi pour Under the Dome. Ah non, mais c'est encore... Non, Under the Dome, c'est divertissant. Mauvais, mais divertissant. Helix, c'est mauvais et très, très mauvais et encore plus mauvais que ça. Et voilà. Et alors, par contre, les claques que j'ai prises cette semaine, je peux le dire. Alors, c'est pas une claque, mais j'ai oublié de le dire. J'ai vu La Planète des Singes, l'affrontement. C'est un blockbuster efficace, comme le premier. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, les Planètes des Singes. Ils ont le mérite d'être originaux et d'avoir leur identité. Et c'est quand même assez spectaculaire, même si le scénario du 2 est pas folichon. Et au niveau des claques, on en parlera longuement après, il y a les Gardiens de la Galaxie. Mais il y a surtout, The Killing US, ouais. Série que j'ai découvert, mais par pur hasard, et qui fera l'objet d'un coup de cœur, que j'ai découvert jeudi. En fait, mon oncle américain me l'avait envoyé il y a très longtemps. Et c'était dans la liste des cadeaux que j'avais jamais regardé. Tu sais, la fameuse liste qu'on doit regarder, envoyée par l'oncle américain. Je le lance parce que je voulais regarder une série en écrivant un article. Et je l'ai lancé à 9h. 36 heures plus tard, j'avais vu 26 épisodes de 45 minutes de The Killing US. Cette série est vraiment, vraiment géniale. Je regarderai, tiens. Ah, mais les deux premières saisons sont magistrales. La troisième, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Et alors, l'autre grosse claque, c'est le rôle de ma vie, I Wish I Were Here, c'est ça ? I Wish I Were Here. De Zach Braff, ouais. Que j'ai eu le plaisir de voir au cinéma hier, avec une Kate Hudson incroyable. Mais vraiment, j'étais sidéré par son jeu. J'ai tellement vénère de ne pas avoir pu aller le voir. J'oublie toujours son nom, mais le barbu dans Homeland. Mandy Patinkin, qui est génial. Le casting est parfait. C'est le film qui m'a le plus parlé et touché cette année. Je peux vous assurer que j'ai épluché les oignons à plusieurs reprises dans le film. Et à la fin, il y avait vraiment beaucoup d'oignons à éplucher. Très touché par ce film. C'est un film qui me parle énormément parce que ça parle de la relation... vous verrez. Homme-animal ? Non. Homme-père. fils-père et père-fils. Mais vraiment très très beau film. Je remercie Zach Braff et je sais qu'il regarde cette émission. Donc merci Zach Braff d'avoir fait ce peut-être truc. Il va venir d'ailleurs. Peut-être il va venir. En tout cas, s'il y en a qui demandent, oui, Le Rôle de ma vie a fait une entrée fulgurante dans le top 5 de mes films de l'année. Hein. Tu sais que s'il venait, je pense que je ferais l'émission en muet. Je n'arriverais pas à dire mot. Pareil. Mais si, mais j'essaierais de ressortir des citations de Scrubs non, et j'y arriverais pas. C'est ça qui est génial.
Non, complètement. Voilà. Et ben du coup, après c'est t'as vu quoi? Et ben on va passer aux news séries. Jingle, ouais, monsieur Kaoru. Non, pourquoi ciné. News ciné. Ciné, pardon. Ciné, on va commencer par un point sur les Gardiens de la Galaxie. C'est parti. News ciné, Kao. Alors là, faut que tu débranches l'ABS. Juste aller repartir sur le Wingard. Bon, alors, bon, génial. Voilà, ah, donc bah, il est génial, mais très réactif aujourd'hui, je suis content. Alors pour ceux qui disent, ouais, c'est quoi cette émission faite par des amateurs? Oui, on est des amateurs, et franchement, on l'assume. Hein. Bah, oui. On est des passionnés, les amis. Des amateurs de ciné. Ben voilà. Comment? Il y a le chat qui demande si Pierre a maté Tortue Ninja. Ah, bien sûr que non. On nous demande de parler de Tortue Ninja. Bah non, mais comment est-ce que je l'aurais vu, puisque le film sort en octobre. Et on va en parler dans le point box-office tout à l'heure. Oui, exactement. Et on va commencer par les Gardiens de la Galaxie. On parlera de Robin Williams plus tard dans l'émission. On vous prévient tout de suite, l'émission finit à 22h. Et un point sur les Gardiens de la Galaxie, parce qu'on l'a vu tous les deux. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, toi aussi. À ta manière. Oui, alors, j'ai aimé le film. Vas-y. Tu veux qu'on commence par moi? Ouais, alors, vas-y. Ce n'est pas un film que j'ai détesté. De base, je ne suis de toute façon pas le public pour ce genre de film. Je pense que beaucoup vont me détester sur le chat, mais les super-héros, c'est pas mon grand kiff. Marvel, DC Comics, c'est pas mon grand kiff non plus. J'ai appris à connaître Batman grâce notamment à jeuxvideo.com parce qu'on a fait avec Paul Koyuk 4 reportages dessus, si vous voulez aller les voir. D'ailleurs, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de jeuxvideo.com. Donc du très coup, j'y suis... Chaîne, hein. Très bonne chaîne. Beaucoup de reportages, des trucs géniaux avec des monteurs de fous. Enfin voilà. Et du coup, j'ai lu un peu les critiques sur Gardiens de la Galaxie avant d'y aller. Je pense que ça a été ma première erreur parce qu'on m'annonçait le film de l'année qui révolutionne le cinéma de super-héros, tout ça. Ok, pas de soucis. Mais c'est exactement ce qu'il est, c'est ça qui est génial. J'y reviendrai. Et du coup, j'y vais, le film se passe. La première demi-heure, j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie. Je trouvais justement que c'était un renouveau, un souffle d'air dessus. Et puis, à partir du moment où... merde, ce que je vais dire, ça va peut-être être un spoil. À partir d'une demi-heure, j'ai complètement changé d'avis. T'as spoil, là. Tu viens de dire qu'il y avait plus d'une demi-heure dans le film. Ah, merde. C'est vraiment... là, vraiment, c'est du niveau de Big B avec Kate Mara. C'est du niveau, hein. Et du coup, est-ce qu'on aurait d'ailleurs le trailer des Gardiens de la Galaxie? Oui, oui, on l'a, je l'ai envoyé. Et on a aussi un extrait d'une scène que j'ai adoré en dans VF. Le film. Ouais. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à me faire chier à partir d'une demi-heure. Alors pourquoi? Parce que je l'ai trouvé lourd. Je trouve les vannes assez mal placées. J'avais l'impression qu'ils avaient un cahier des charges du genre « vous me faites une vanne toutes les 10 minutes ». Donc ça balance de la vanne. Je trouve ça pas fin du tout, contrairement à un Avenger que je trouvais beaucoup plus fin dans son humour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. J'ai un peu de mal aussi avec le charisme de Gamora. Et Gamora. De Gamora et de... Non, bah, elle est belle. Et de l'acteur, évidemment. Et voilà, de Chris Pratt. Oui, de Chris est, Pratt. J'ai beau. Ouais, ok, mais il y a un peu non, c'était pour qu'il y ait un équilibre. Alors par contre, rien à dire visuellement, c'est fantastique. Enfin, c'est super bien foutu. Le raton laveur qui me faisait peur, il me fait beaucoup rire. Mais ça manque de finesse. Ils arrivent avec leurs gros sabots, encore une fois. Ils ont un peu loupé leur méchant, ils ont un peu loupé le message qu'ils essayaient d'envoyer. Je me rappelle que... Il y avait un message? Ben justement, je me rappelle que dans l'émission... Ah, le message, c'est qu'il s'appelle Groot. C'est ça. My name is Groot. Je me rappelle que dans la dernière émission... I am Groot. Dans la dernière émission, Big B avait dit que le cinéma était surtout un passe-temps, une sorte de divertissement. Je pense qu'on peut voir le cinéma de deux façons. Effectivement, on peut le voir comme le voyait Big B. Mais moi, souvent, j'ai envie qu'on m'apporte quelque chose, qu'on me raconte quelque chose, qu'il y ait un message derrière ça. Je ne l'ai pas eu, voilà. Je n'aime pas ce genre de film, mais j'ai passé un bon moment. Il y a des problèmes majeurs dans le film. Après. Comme nous dit Kaoru, il y a effectivement peut-être des problèmes majeurs dans le film, mais ça n'en reste pas moins. Alors, mon avis sur le film, c'est que, bon, j'en avais entendu que du bien. Du coup, je m'attendais à voir soit un bon film, comme tout le monde le disait, soit un truc qui allait me décevoir parce que j'en attendais trop. Au final, j'ai pris mon pied pendant 2 heures, parce que le film dure 2 heures pile, hein, c'est le temps imparti pour un blockbuster popcorn, et il remplit vraiment son rôle de blockbuster popcorn. Tu oui, te divertis du popcorn, début oui, à la fin, avec, je trouve, 5 personnages qui sont très réussis,
tous hein, apportent quelque chose de différent au film. Bon, Gamora est celle qui est incontestablement la moins réussie des cinq, mais j'ai trouvé Chris Pratt très bien parce qu'il joue un espèce de clown beau gosse qui est cliché dans ce genre de film et qui retourne finalement son rôle en sa faveur, je trouve. Le raton laveur, Rocket, est joué par Bradley Cooper, d'ailleurs. Ouais, c'est une grande réussite. Hein. Mm. Franchement, il est super crédible, il arrive à être touchant. Drax. C'est ce qui sauve le film. Drax est celui qui m'a le plus plu, mais alors vraiment. C'est vrai? Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, à chaque fois qu'il y avait Drax, j'étais mort de rire. Et Groot, très réussi également. Bref, les personnages, très bien. Les seconds rôles sont assez inégaux. On sent vraiment que Glenn Close, oui, que John C. Reilly s'éclatent dans le film. Par contre, on les voit très peu. Même Michael Rooker qui joue... j'ai oublié son nom. Le chef des Ravageurs. Qui... Yun Dun. Merle dans The Walking Dead. Et d'ailleurs, ce personnage-là est en réalité dans les comics un des fondateurs des Gardiens de la Galaxie avec Star-Lord. Mais par contre, c'est vrai que les méchants sont globalement ratés. La fille là, qui s'appelle... Bah, il y a Gamora, sa sœur, tu veux ouais, dire. Nebula. Je sais plus. Nebula est de loin le personnage le plus inintéressant et raté du film. Ronan, l'accusateur, alors lui, il est ridicule, mais on sent vraiment que Lee Pace s'éclate à le jouer. Et puis, bah, y a des caméos, par exemple, Benicio Del Toro, très bien. Enfin, je trouvais que le casting était globalement réussi et l'humour m'a parlé à chaque fois. C'est à chaque fois que le film essayait de me faire marrer, il a réussi. Et alors, il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est que l'intrigue, on s'en contrefout. Mais vraiment, il pourrait faire un squash entre potes pendant 2 heures, ça m'irait très bien s'ils me font autant rire. Je m'en contrefoutais de l'ordre. Ah, je me ferais chier. Ah non, mais l'ordre, je m'en foutais. Et je l'ai vu donc mardi en pseudo avant-première. Hein. J'ai trouvé vraiment très bien. Je suis sorti du film emballé. Le lendemain, j'avais une envie folle d'aller le revoir. Je me suis dit, non, mais sois sérieux, c'est un Marvel. Tu vas quand même attendre un peu plus qu'une journée pour aller le revoir. Je n'y suis pas allé. Le jeudi, je me suis dit, attends, ça fait que 2 jours, sois sérieux, merde. Et le vendredi, je me suis dit, rien à foutre, j'y retourne. J'y suis retourné. Et sincèrement, la deuxième séance des Gardiens de la Galaxie, je l'ai nettement préférée à la deuxième, à la première. J'ai rigolé encore plus. Et c'est surtout là où c'est génial, c'est que les gags, tu les vois arriver, tu les vois se construire, et notamment dans la prison. J'étais mort de rire comme un con, mais alors ça, très longtemps on va avant. Pas trop en dire plus, mais je le sentais arriver. C'est là où je dis que c'est lourd. Ah, mais moi, j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Ils sont obligés d'en faire des caisses pour te faire comprendre. Attention, dans 30 secondes, tu vas avoir une vanne sur ce qu'on vient de te dire il y a 30 secondes. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça marche. Bon. C'est oui, K.O. Alors, je vais faire un test. Est-ce que le chat m'entend? Parce que j'ai changé des setups de Paul. Alors, au cas où, si vous ne l'avez pas entendu, Karou se demandait si vous l'entendiez sur le chat. Je veux juste revenir sur un truc. Je vois qu'en tout cas, Marcel, sur le chat, nous disait que notre analyse était un peu à la surface et pas très approfondie. Nous n'avons pas beaucoup de temps, tu sais, pour faire cette analyse-là. Et si tu veux un truc plus approfondi, va sur Crossover, j'en ai fait une critique. Tout à fait, voilà. Tu peux donc aller sur Crossover pour avoir des critiques un peu plus approfondies. Et non, contrairement à ce que dit Soulstone, je n'ai pas reçu de chèque pour dire que le film était bien. Par contre, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bigby la dernière fois, c'est-à-dire que le cinéma est là pour procurer du plaisir, être divertissant. Il y a 2 types de films, comme tu le disais, et là je te rejoins. Il y a les films qui ont de la profondeur et qui vont te parler, te toucher, et des films qui vont te divertir, qui ne vont pas avoir d'autre but que ça. Les Gardiens de la Galaxie divertit, point barre. Mais il divertit très bien, exactement comme l'avait fait l'année dernière Pacific Rim. Et je pense que mais je suis désolé, moi l'année dernière Pacific Rim m'a diverti. Là où d'autres films comme Transformers par exemple, ou Thor, etc., m'ont fait profondément chier. Et là où les Gardiens de la Galaxie, je trouve, sont une réussite, c'est qu'ils sont complètement à contre-courant avec les autres films Marvel Disney qui ont été faits, qui globalement sont presque tous ratés. Et avec 2 exceptions prêtes, Avengers, mais parce qu'il y a cette espèce de ce côté All-Star avec des personnages mythiques, et puis Captain America 2, mais qui n'a rien à voir avec un Marvel Disney, parce que c'est une espèce de film de thriller, de conspiration dans le Shield, mais les autres, globalement, je les ai tous trouvés ratés. Thor est vraiment pas terrible, Thor 2 est catastrophique, Iron Man 3, pour moi, c'est la même chose. Et là, les Gardiens de la Galaxie arrivent avec un scénar dont on se fout mais qui tient la route, énormément de références,
Ça parle beaucoup à la culture pop, des nouveaux personnages. Il est bien fait, il est drôle, il est très bien rythmé. Bah voilà, moi j'ai, en tant que divertissement, j'en attendais pas mieux et je suis très content et j'ai encore envie de le voir. Est-ce qu'on a diffusé le trailer ? Non, on n'a rien diffusé. Non, Chaos, si tu peux mettre des images par-dessus qu'on parle, parce que les pauvres gens, avoir nos deux gueules pendant deux heures, ça va leur casser les couilles. Donc là, on a un extrait. Et alors, à propos des Gardiens de la Galaxie, on va déjà donner quelques news, puis après, on va se poser une question sur le film. Faut que tu baisses le son, Chaos. La news, la première news, c'est qu'il y a des erreurs assez grossières dans la version française du film. J'en ai fait un article sur Crossover si vous voulez le lire. Mais globalement, est-ce qu'on les dit, mon cher Cardel ? Oui, bon. Oui. Alors, je vais les dire pendant que Cardel gère les problèmes de son. On a donc le fameux « Je s'appelle Groot » de Groot, qui en anglais est « I am Groot ». Pourquoi est-ce que Vin Diesel, qui a doublé la voix, n'a pas dit « Je suis Groot », ce qui aurait été logique ? On n'a pas de réponse à cette question. Mais le jeu s'appelle Groot, est une grossière erreur de français, comme vous vous en doutez, et vraiment, ça n'a pas de sens. Est-ce que toi, ça te parle ? Enfin, tu l'as vu en VO, je suppose ? Je l'ai vu en VO. T'as eu la chance d'avoir une VO dans le coin ? Je l'ai vu en VO, et notamment, j'ai aussi vu des gens qui parlaient de la 3D. Franchement, vu le prix de la place pour le 3D, je suis allé le voir en normal, ça n'apporte pas grand-chose, mais bref. Ah, il y a une scène quand même où Rocket est attrapé par Groot, et ça, il t'arrive dans l'écran, c'est plutôt pas mal. Pour une scène, tu vas payer le double du prix. Moi, je m'en fous, je paye pas le. Alors Kaoru, juste pour te dire, effectivement sur le stream ils n'ont pas le son, mais nous l'avons et assez fort. Donc si tu arrivais à nous baisser ça en plateau. Donc le jeu s'appelle Groot est une aberration, je trouve, qui moi va considérablement m'emmerder, comme je le disais la dernière fois. Non, je l'ai dit pendant mon émission Hearthstone. Ça va m'emmerder à l'école parce que tous mes élèves vont dire « Je m'appelle Groot, je m'appelle Groot » et moi je vais leur dire « Mais non, on dit « Je m'appelle Groot » et je vois bien à la rentrée leur dire « Présentez-vous », il y en a un qui va me faire « Je m'appelle Nathan » et là vraiment ça va pas le faire du tout. Par contre… Du coup, il faut que tu leur fasses lire « Des souris et des hommes », »,« Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout », comme ça et au moins ça leur apporte un peu plus de culture que les gardiens de la galaxie. Ouais. Autre erreur, le vaisseau de Star-Lord en français s'appelle le « Milan ». Parce que c'est une traduction bête et méchante de Milano. Sauf que dans le film, c'est Milano non pas pour la ville italienne, mais pour Alicia Milano, qui est l'amoureuse d'enfance, l'icône télévisuelle adorée de Star-Lord avant qu'il arrive dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il a appelé son vaisseau Milano, et pas du tout en raison de la ville italienne. Donc là, pareil, on a une traduction qui est complètement foirée. Et la dernière, c'est celle qui m'a vraiment fait tiquer dans le film, parce que je ne le savais pas hein, pour Milano, je l'ai découvert plus tard sur Internet. Mais alors, à un moment donné, sur la planète Nowhere, il y a Star-Lord qui parle avec Drax et qui dit « Ouais, sur la planète aussi, il y avait des hors-la-loi. » Et il dit « Billy the Kid », etc. Et à la fin, il termine par Jack Sparrow en VF. Et là, je me dis « Jack Sparrow ?» Mais attendez, il s'est barré de la Terre en 1988, il n'y avait pas de Jack Sparrow. Alors là, je me suis dit, oui, mais alors peut-être qu'il a pris des nouvelles de la Terre, etc. Ou alors peut-être que je ne le sais pas, mais Jack Sparrow a été inventé plus tôt, notamment pour l'attraction de Walt Disney, enfin de Disneyland. Et du coup, je me renseigne, et en fait, pas du tout. Jack Sparrow a été inventé par les scénaristes de Pirates des Caraïbes en 2002. Donc, ça n'a pas de sens. Surtout que dans la VO, c'est John Stamos qui est cité, non pas Jack Sparrow. John Stamos qui est le beau gosse de la famille... Non. C'est la série avec les Sarah Olsen. La fête à la maison. Et Tu vois, j'allais te dire les jumelles s'en mêlent. Mais non, donc c'était le héros beau gosse de cette série. Et c'était une icône dans les années 80-90 aux États-Unis. Et là, c'est cohérent. Et ils l'ont transformé en Jack Sparrow en VF et en VOST, alors qu'il dit bien John Stamos, en dessous c'est titré David Hasselhoff. Pourquoi ? Ouais. Mais moi j'ai eu la version David Hasselhoff. Mais pourquoi ? Mais ça n'a pas de sens. Laissez John Stamos où il est, le pauvre, il fait quasiment plus rien. Alors si on lui prend sa seule apparition dans les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même dur, je trouve. Le pauvre. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Un moment dans le film, il parle d'un vieux film qui s'appelle Footloose. Oui, avec Kevin Bacon. Alors comment ils le traduisent en français ? Ils disent Footloose aussi ? Ouais, Footloose. Ok, bon. Donc voilà pour les erreurs de la traduction. Autre news, je la fais rapidement. La BO du film A Wesome Mix Volume 1
Et excellente, hein, on peut le dire. Et elle a fait une entrée directe en troisième position du Billboard. Tellement de produits dérivés. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et peut-être que, comme moi, vous l'écoutez énormément, cette BO en ce moment. Alors maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie... Oups, j'ai fait un espèce de medley du titre. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie est pour toi un phénomène populaire? À partir du moment où il fait des entrées, oui. Non, mais en phénomène populaire, j'entends un Avatar-like, un The Dark Knight... C'est un peu trop tôt pour le dire, War je Skyfall, pense. Qui a été un énorme succès. Ça, on le saura en voyant le nombre de produits dérivés qui vont être vendus, notamment cette espèce de pot de fleurs avec Groot qui danse, voilà ça. Bah ça, mais dès que je le trouve en magasin, je l'achète. Je pense qu'on aura la réponse plus tard. Ça, c'est beaucoup trop tôt, là. Il en est à peine à sa première semaine d'exploitation en France. Alors, il est à première exploitation, ouais, première semaine. Il est à 18 jours d'exploitation aux États-Unis. Il a réalisé, pour l'instant, on a les chiffres, je vais vous les montrer. Pourquoi cette interrogation? C'est qu'en fait, les Gardiens de la Galaxie a d'excellents retours. Il a 94% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, par exemple, ce qui est énorme. Mais par contre, il ne semble pas attirer les gens plus que ça en salle. Oui. Alors, ça marche très bien, mais ça n'est pas fou. Après. Pourquoi? Aux États-Unis, les Gardiens de la Galaxie a signé le 32e démarrage de l'histoire seulement. Alors, c'est le meilleur pour un mois d'août, mais ça n'est que le 32e. Ce qui est quand même pas mal. Comparé à des Marvel. Alors, comparé à Avengers, par exemple, c'est... il a fait deux fois moins qu'Avengers, par exemple. Donc, alors, il y a un élément quand même à prendre en considération, c'est que c'est une nouvelle licence, les gens ne connaissent pas les héros, ne sont pas familiarisés avec cet univers-là. Donc voilà. Mais après 18 jours, il a dépassé les 400 millions de dollars au box-office, ce qui est bien, on peut le dire, mais par contre, c'est nettement moins, par exemple, que Transformers 4, qui a déjà dépassé le milliard, donc ça, c'est énorme. En France, je pense que les Gardiens de la Galaxie, mais tu dois les avoir les chiffres, non pas encore. Oui, oui, bien sûr. Il n'est pas dans le top. Ouais, ouais, parce que on le saura mercredi. Voilà. Mais en gros, les Gardiens de la Galaxie font un démarrage correct, mais sans plus. Donc, ça n'est pas l'espèce de raz-de-marée qu'on pouvait attendre suite aux critiques et à l'emballement des critiques. Et puis toute la promo qu'ils en ont fait autour. Ah ouais, ils ont fait une énorme promo. Là, dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est que les Gardiens de la Galaxie sont derniers du box-office de tous les Marvel Disney produits. Alors, très bientôt, il va dépasser Thor, c'est une certitude. Il risque de pouvoir atteindre Iron Man avec 580 millions de dollars au box-office mondial. On ne s'inquiète pas trop pour lui. Mais globalement, il est quand même à la rue. Il est 22e dans le classement box-office de tous les films super-héros sortis au cinéma. C'est bien, mais sans plus. On est quand même loin des phénomènes qui étaient Avatar, 2,7 milliards par exemple, Avengers, 1,5. Donc voilà. Alors, le petit élément quand même... Il y a peut-être un peu de lassitude aussi chez les gens. Oui, oui. Mais alors, il y a un élément quand même qu'il faut prendre en considération. C'est que le film n'est pas encore sorti en Chine et au Japon, qui ont été les deux marchés qui ont le plus boosté Pacific Rim, par exemple, et Transformers 4, puisque Transformers 4 a fait réaliser 250 millions de dollars, je crois, au box-office américain. Il en a fait plus de 700 à l'étranger, avec une grande partie en Chine. Donc si le film est un carton en Chine, là, ça sera par contre le jackpot pour Marvel. Bah voilà, on vous fera sûrement un prochain point dans un prochain Cult & Click. Et du coup, on va passer à une autre news si ça te dit. Veux-tu faire la news ? Non, vas-y, à toi. Là, j'ai bien parlé. D'accord. Et bah là, ça va être un peu long aussi parce que je vais vous parler des biopics musicaux. Pour les habitués, vous savez que j'aime beaucoup cette forme de cinéma-là. Notamment grâce à des films comme Walk the Line sur Johnny Cash, comme The Doors sur les Doors. Comme on peut citer Control aussi sur Joy Division, et ben là on va être gâté. Clo-Clo sur Claude François. Podium, cinéma, tous ces films de Yann Moix qui sont extraordinaires. Et Yann Moix, c'est pas le mec qui s'est hockey? Si, si, il est beaucoup, génial. J'aime beaucoup ce mec. Et j'avais adoré Podium, hein, je troll, mais Podium, j'adore. Cinéman est dingue. Cinéman, c'est pourri, mais Yann Moix, si tu nous regardes, Yann Moix, on te salue chaleureusement. Et franchement, question qui est vraiment dans le cadre de Cult & Click, est-ce que tu vas écouter Ruquier sur RTL maintenant qu'il a quitté Europe 1? Ouais, la première en tout cas. Ouais, moi aussi. Bon, on verra. Bon, ça, c'est dur. Ruquier remplace Bouvard à la tête des Grosses Têtes. Moi, pourtant, j'avais juré sur la Bible que jamais j'écouterais RTL, mais tant pis. Hein. Ouais.
Bon, on verra. Tant pis. Et donc tout ça pour vous dire que les biopics musicaux, le premier dont je vais vous parler, je vais en parler très rapidement parce qu'il y en a 6 au total. Je vais vous parler d'abord de André Benjamin, connu sous le nom d'André 3000, qui n'est autre que le chanteur de Outkast, et qui va en fait jouer Jimi Hendrix dans un biopic qui va s'appeler All Is By My Side, qui va être réalisé par John Ridley, qui était notamment le scénariste de 12 Years a Slave. Donc un mec qui sait écrire et qui, je pense, sait mettre en scène. Il sort prochainement, on n'a pas encore trop de dates. Kaoru, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Ça serait bien que tu mettes les photos de ce que je parle. Merci. D'accord. Donc ça, alors, c'est... Inception. Ça, c'est... C'est donc André Benjamin, qui est un très bon acteur. J'ai été étonné. Ouais, alors je l'ai adoré dans Bataille à Seattle. Ok. Dans Bataille à Seattle. Ouais. C'est un film sur la manif où il y a eu beaucoup d'émeutes, c'était je crois un G20 ou une conférence de l'OMS, je ne suis pas sûr, à Seattle. Et c'est un très bon film, j'en ferai un coup de cœur un jour dessus. Mais j'ai hâte de le voir parce que ça peut être vraiment pas mal ce petit film sur Jimi Hendrix, je vous rappelle qu'il s'appelle All Is By My Side et qui sortira prochainement, on n'a pas encore de date de sortie. Le prochain, je vais vous parler du roi de la funk, de James Brown, qui va être incarné par Chadwick Boseman pour un film qui s'appellera Get On Up. Normalement, on a le visuel. Voilà, donc c'est l'affiche à gauche avec Chadwick Boseman et à droite, c'est le James Brown original. Pourquoi le film s'appelle Get On Up? Mais tout simplement parce que Get up, get on up, want a sex machine, get on up. Tu voilà. Fais très bien, James. Je sais même pas pourquoi ils t'ont pas choisi. Mal, hein. Non, ça c'est Michael. Et donc il sera réalisé par Tate Taylor. C'est quelqu'un qui avait déjà fait La couleur des sentiments, très bon film. Il est produit par Mick Jagger, plutôt sympathique. C'est le mec des Rolling Stones, lui. Hein. C'est le mec des Rolling Stones. C'est exactement le mec des Rolling Stones. Ça fait genre grosse discussion de comptoir, tu sais. Ouais. Ce connard, les Rolling Stones, là. Ouais, c'est lui. Et donc, il sortira le 24 septembre 2014 en France, donc dans pas très longtemps, un peu plus d'un petit mois. Je sauterai dessus aussi. Prochain biopic musical qui sortira prochainement, ça va être sur Miles Davis, qui sera joué par Don Cheadle. Le film s'appellera Miles Ahead. Donc, en gros, Miles Ahead est en fait un jeu de mots pour dire qu'il avait des années d'avance, ce joli Miles Davis, sur la musique contemporaine. Et Don Cheadle, c'est du lourd. Quand même. Et Don Cheadle, c'est du lourd, d'autant plus qu'il sera aussi à la réalisation. Le film accueillera Ewan McGregor et Zoé Saldana. Qui est Gamora. On revient toujours au Gardien de la Galaxie. Le fondement du cinéma, les amis. <C'est ça. rire> Et donc, en fait, le tournage va débuter d'ici quelques jours à Cincinnati. Donc, évidemment, on n'a pas encore de date de sortie. Donc, si vous êtes à Cincinnati, allez voir. D'ailleurs, je dis une bêtise, mais je sais que JM est à Cincinnati. Donc, lui, il peut être actuellement devant l'émission et se dire « Ah, là, je vais aller voir le tournage. » Et là, franchement, on aura bien l'air con parce que nous, eh ben, on va pas aller voir le tournage. Tout à fait. Prochain biopic musical avec Ben Whishaw. Alors celui-là, c'est celui qui me fait le plus peur parce qu'il va incarner Freddie Mercury. C'était en fait un projet à la base... Don't stop me now. Don't stop me now. What you gonna be done? I'm banging around. Dans Shaun of the Dead, ce morceau est tellement bien. Mais tous les morceaux de Queen sont bien. Bref, on va pas parler de musique, on parle de ciné. En fait, pourquoi ce projet me fait peur? C'est parce qu'à la base, c'était Sacha Baron Cohen qui devait incarner Freddie Mercury. Ce que je trouvais plutôt stylé comme moi choix. Aussi. Mais là, on va avoir droit à Ben Whishaw. Ben Whishaw, qui est un acteur, visiblement. Ouais, et aussi, point important, le réalisateur qui devait être Dexter Fletcher a quitté le projet. Oui, il a été arrêté. Ils l'ont attrapé, ça y est. Dexter. Mais qui s'appelle Dexter maintenant? Mais qui s'appelle Dexter? C'est vous là, plus personne. Hein. C'est non, comme les gens personne. Qui s'appellent Adolphe. Oh, point Godwin. Il n'y en a plus. Et du le point Godwin, là, on l'a atteint. Et donc, ça y est, le CSA intervient. Le CSA rentre. On va se faire couper l'émission. Tu vois. Ils vont brûler les internets juste parce qu'on a dit ça. Hein. Ça va être fini. Et pourtant, on a rien fait d'internet. Ils vont brûler les serveurs. Bah, c'est... Et le pire, c'est qu'ils lui ressemblent pas, comme nous dit K.O. Mais tu sais, le pouvoir du cinéma fait ressembler des gens à beaucoup de choses bizarres. C'est vrai. Est-ce que Vin Diesel ressemble à un arbre? Non, et pourtant, est-ce que Bradley Cooper ressemble à un raton laveur? Mais voilà. Exactement. Et pourtant. Et du coup, donc je disais que Dexter Fletcher, qui était censé réaliser ce projet, a quitté le film pour des raisons, d'après lui, de...
Oui, de différents artistiques. Ouais. Voilà, ils ne s'entendent pas sur... Ils ont eu un problème d'accord. Ils ont eu un problème de... Enfin, voilà. Bref, on passe au suivant. Et le suivant va être sur Janis Joplin. Ouais. Qui, elle aussi, fait partie du club des 27, d'ailleurs, oh, comme Jimi Hendrix. C'est Amy Adams qui va la jouer. Et ben, c'est Amy Adams qui va jouer Janis Joplin. Oh. C'est pas mal. Amy Adams, qu'on a pu voir récemment dans American Bluff. On n'en sait pas grand-chose, à part que c'est Lee Daniels qui va réaliser ce biopic. Lee Daniels, c'est qui? C'est juste le mec qui a réalisé Le Majordome, qui a fait aussi Paperboy et Precious. Donc c'est du lourd pour ce film sur Janis Joplin. Le suivant et le dernier sera sur... Laisse-moi deviner, sur... Alizé. Mon Dieu, non, sa rencontre avec Mylène, tout ça. C'est Marion ça... Cotillard qui va jouer Alizé. On aura une apparition de Laurent Boyer, du coup, là-dedans, quand elle avait gagné Graine de Star. Elle a gagné Graine de Star, Alizé? Je sais plus, je crois que c'est ça. C'est Mylène Farmer qui avait repris. Bref, on s'en fout. Si vous savez sur le chat si Alizé a gagné Graine de Star, moi, je crois que c'est ça. En plus. Alors non, que Jen nous demande si on va parler des Gardiens de la Galaxie, j'ai envie de te dire que tu arrives trop tard. Mais tant pis. Et donc oui, le dernier biopic va être sur un musicien un peu moins connu que ah, que je viens de citer. Tu sais que je l'ai vu en concert. Et j'ai vu, et alors, meilleur concert de ma vie, c'était Michal. Et sans déconner, c'était en Auvergne, à Morse-la-Jolie, très exactement. Et sans déconner, le mec, à chaque fin de chanson, j'entendais des gens applaudir. Il disait que c'était pas lui. Qui applaudit. Il l'orange. Et ben attends, non, mais ça, faut que je te raconte. Anecdote. Le mec, c'est-à-dire qu'à chaque fin de chanson, j'entendais des gens applaudir. Ouhouhou. Je me retourne. Personne applaudit, personne ne gueule, tout le monde se fait chier à regarder ce concert de Michal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les applaudissements étaient dans la bande-son de tout le truc. Donc un grand moment de solitude, je pense, pour Michal. Oh, ce concert à Morse-la-Jolie. Enfin bref. Et donc oui, tout ça pour vous dire, je vais arriver à faire mon sixième biopic et tout dernier sur un musicien un peu moins connu, ah, mais tout aussi talentueux. Et ben c'est Hank Williams. Ah ben voilà. Ce roi de la country. C'était alors, une évidence. Roi de la country, je pense que vous aurez d'abord en tête Johnny Cash. Mais Johnny Cash, ça a déjà été fait. Et puis petite surprise. Ouais, puis c'est la chanson qu'on fait au mariage. Si tu veux, c'est ça. Donc non, ça va parler de Monsieur Hank Williams, qui était une figure de la country aux États-Unis. Ça va être joué par Tom Hiddleston, qu'on a pu voir dans Avenger, qu'on a pu voir dans Thor. Ça va le changer de registre. C'est je pense que l'acteur est bien choisi. C'est Loki, exactement. Il est assez loué. Hein. Yeah. Et apparemment, il plaît aux demoiselles. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu les réactions hystériques des demoiselles qui m'entourent lorsque je prends mon cosplay de Loki. Voilà. Et donc, ça va être réalisé par Mark Abraham. En gros, on ne sait pas grand-chose pour l'instant parce que le tournage va débuter en Louisiane, là, au mois d'octobre, je crois, à peu près. On sait juste que Loki, donc Tom Hiddleston, interprétera lui-même les chansons d'Hank Williams. Impressionnant. Donc voilà, c'était ma page musique et ciné, la culture des oreilles et de la vue. Quel slogan. Mais génial. C'est l'heure de la pause, hein? Déjà? Bah oui, il est 52. Non, c'est bon. Ah non? Bon, bah écoutez, c'est Karou hein, qui ne veut pas envoyer la pub. Et du coup, ça va me permettre de faire une brève assez rapide pour vous dire que Vingerhams revient dans Mission Impossible, le prochain Mission Impossible. Ben, il y aura donc le fameux pirate interprété par Vingerhams, que vous avez également pu voir dans Pulp Fiction, et si vous avez eu le plaisir de voir ce film au cinéma comme moi, dans Piranha 3D. On a une photo. Oui, on a une photo de Vingerhams, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Hein. Viens, on se tait jusqu'à ce que la photo... Alors, il y a No Matter What qui dit « Mon ex est sorti avec Michal ». Oh, intéressant. Et du coup, est-ce qu'il peut... Parce qu'il avait un petit persil. Non, ça va aller trop loin. Je m'arrête. La culture de l'approximation. Décidément, Marcel, tu ne nous aimes pas. Je me demande ce que tu fais encore ici. Bon, c'est ton choix. Mais qui s'appelle Marcel? Bref, voilà Vingerhams dans le prochain Mission Impossible, toujours avec Tom Cruise, avec Jeremy Renner, avec Simon Pegg également. Et c'est déjà pas mal, là. C'est déjà pas mal. Ouais, beau casting pour ce Mission Impossible. Le dernier, Protocole Fantôme, était plutôt réussi. C'était bien parce qu'il faut quand même reconnaître que les stigmates du 2 se ressentent encore sur notre corps qui n'en demandait pas tant. Du coup, est-ce que j'en refais une?
Bah oui, oui, petite news, on va rester sur des films du genre et des films avec Jeremy Renner, puisque le prochain Jason Bourne sera une nouvelle fois sans Matt Damon. On espérait le revoir, ça n'est plus Matt Damon maintenant, mais Jeremy Renner qui a repris le rôle principal du film. Attention, il ne joue pas Jason Bourne, il joue un autre agent. C'est en tout cas ce qu'il jouait dans Jason Bourne, l'héritage. Et ben, le prochain sera donc encore une fois sans Matt Damon. C'est Frank Marshall, le producteur, qui l'a déclaré. Mais ce que l'on sait, c'est que Matt Damon, ici à l'écran, pourrait... alors, je corrige tout de suite. Yasuhisan Vingerem, ce n'est pas du tout l'acteur qui joue dans La Ligne Verte. Puisque l'acteur, l'acteur qui joue dans La Ligne Verte est décédé. C'était Michael Clarke Duncan. Et Vingerems n'est, lui, pas décédé, puisqu'il va jouer dans Mission Impossible. Donc, je disais, Matt Damon pourrait revenir à une seule condition. Il pourrait revenir dans Jason Bourne, seulement si c'est Paul Greengrass, qui est le réalisateur de Captain Phillips, mais aussi de La Vengeance et de La Mort dans la Peau, si Paul Greengrass revient à la caméra, et s'il y a un bon scénario, ça sous-entend très clairement que pour que Matt Damon revienne sur Jason Bourne, ils doivent virer le réalisateur qui est l'ancien scénariste qui s'appelle Tony Gilroy, avec qui Matt Damon ne s'entend pas du tout. Voilà. C'est pour ça donc qu'il s'est barré. Ouais, et on sait pourquoi il s'est barré du coup. Ouais. Très bien, très bien. Veux-tu que je te fasse une petite news un peu boobs, un peu deuxième épisode, parce qu'on en a déjà parlé récemment. Oui. Et ben moi, je vais vous parler de Sin City 2 et de la censure, de cette censure implacable qui cache des pixels de tétons comme ça. Alors, on va résumer le truc. Premier épisode, en mai dernier, cette affiche que vous voyez là a été censurée. À gauche, vous avez la version, de base, et à droite, la version censurée. Vous allez me dire, mais absolument rien ne change. Si vous voyez pas là ce pixel, ce minuscule pixel juste ici, qui montre un téton, et ben voilà, ils ont censuré cette affiche pour ça. Pourquoi pas, ça n'est qu'une affiche, d'autant plus que ça a fait le beau jeu de Sin City, car ça a augmenté sa communication, et beaucoup de gens en ont parlé, plus que ce dont on en aurait parlé en temps normal. Et là... C'est l'effet Streisand. C'est l'effet Streisand ? Ouais, j'en avais parlé dans un article. C'est Barbara Streisand avait attaqué un photographe qui avait pris en photo sa maison de dessus, une photo aérienne. Personne n'avait vu la photo, tout le monde s'en battait les couilles. Oui, elle l'a poursuivie en justice, tout le monde en a parlé, et maintenant, c'est donc l'effet Streisand. C'est un phénomène médiatique qui fait que quand on censure ou on interdit quelque chose, et on commence à parler d'un truc dont on ne parlait pas du tout. Et l'affiche avec Eva Green n'aurait intéressé personne à part moi, je pense. Mais comme elle a été interdite, eh ben, tout le monde en parle. D'autant plus qu'elle est sortie à un moment où beaucoup d'affiches de Sin City 2 sortaient. Ils n'en ont pas fait qu'une, ils en ont fait plusieurs. Et donc, elle aurait sombré dans toutes les autres. Eh ben, nouvel épisode. Le trailer avait commencé à être diffusé sur les chaînes de télévision américaines. On va vous le passer, d'ailleurs, parce qu'on va jouer à un jeu. Vous allez trouver pourquoi est-ce que ce trailer, du coup, a été censuré. Parce que oui, il est retiré de l'antenne. Plus aucune chaîne aux États-Unis n'a le droit de le diffuser. C'est pas exactement le même trailer. Voilà. C'est celui-là. Donc on va le regarder ensemble. Pour l'instant, tout se passe bien. Le film a l'air plutôt stylé. On retrouve la patte de Frank Miller, qui est le dessinateur originel des comics de Sin City. Ça s'annonce plutôt pas mal. On retrouve un Mickey Rourke. On retrouve, peut-être je vais dire une connerie, Jessica Alba est dedans. Oui, Jessica Alba. Il y a Green. Juno Temple aussi. Qu'à l'antenne, ça n'annonce que du bon, étant donné que j'avais d'ailleurs adoré le premier, qui pour moi est un chef-d'œuvre du cinéma, il était vraiment bien. Et attention, la scène censurée arrive très bientôt, ça va être très furtif. Ah, est-ce que vous allez le trouver ? Elle est déjà passée. Eh bien, mine de rien, je m'en suis même pas rendu compte, elle est déjà passée tellement que c'est furtif. C'est en fait, tu verras normalement, tu l'as en photo, c'est une fraction de seconde. Tu repasses le truc. Ok, Kaoru nous repasse le truc pour être bien sûr que vous avez peut-être pu voir. Alors, je vais regarder le chat. C'est quoi la censure ? Un téton en noir et blanc. En fait, ça dure une fraction de seconde sur 3 pixels exactement. Normalement, Kao, il y a la photo. Voilà. Et voilà. C'est pour cette image-là que le trailer a été censuré sur toutes les chaînes américaines. Oh. J'ai envie de vous dire, what the fuck, messieurs les États-Unis ? Faut se calmer. On y voit en plus absolument rien.
Donc montrer un ado mort à la télévision, ça gêne personne, mais montrer un téton, là par contre c'est un drame, hein, la, le monde actuel. Alors que je voudrais réagir quand même à ce que disait, je ne sais plus son pseudo, sur le chat, il y a eu une bêtise qui a été dite par Yannoussan, je crois, qui nous disait que c'était Michael Clark Duncan qui jouait dans Pulp Fiction. Non, c'est bien Vingerhams, hein, je ne me suis pas planté. C'est Vingerhams qui joue Marcellus Wallace, qui est un des grands, grands personnages du film. Je vérifie quand même que... Non, en VF, il s'appelle Jean-Michel Martial. Voilà. Marcellus Wallace, tu passes à Jean-Michel Martial. C'est pas mal. Salut, je suis Picard. Donc voilà. Ben voilà, donc c'est fini. Je vous rappelle juste que Sin City 2 sortira le 17 septembre en France. J'ai hâte. Vivement, ouais, en effet. Et y a, comme je disais, il y a Juno Temple dedans, ouais, qui est une actrice absolument géniale, qu'on avait vue dans le film Kaboom, qui fera l'objet également d'un coup de cœur. D'accord. Exactement. Donc vous connaissez déjà nos coups de cœur de la semaine prochaine. Ah, pas forcément la semaine prochaine, j'ai fait la liste des... Parce qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de... de culte and click. On se retrouve juste après la pub pour parler encore ciné de série. On fera également un point, bien évidemment, sur Robin Williams. À tout de suite. À tout de suite. Et bonjour. Et oui, nous revoilà dans Culte and Click, l'émission ciné-série de Gaming Live. Thomas, tu regardes Culte and Click. Et c'est une émission sur le ciné, les séries, c'est sympa, reste, tu vas voir, tu vas accrocher, tu vas adorer. En plus, j'ai cité ton nom et ça, c'est la classe. Ouais, Thomas. Thomas, d'ailleurs. Allez, on continue l'actu ciné avant d'arriver sur le point Robin Williams. Voilà. Tout à fait, et j'ai envie de continuer ces news séries en vous parlant... ces news ciné, décidément, j'y arriverai pas. Ces news ciné en vous parlant de Star Wars, nouvel épisode dans l'épopée de Star Wars 7. On pourrait, alors tout ça est à mettre au conditionnel, ce ne sont que des rumeurs et que des photos qui ont un peu tourné à droite à gauche. On connaîtrait peut-être le méchant de Star Wars 7. Et en fait, je vais vous rappeler un peu l'histoire. C'est donc, Dark Yoda, j'étais alors, sûr. Tout ça, c'est Dark Yoda. Ce ne sont que des rumeurs, vraiment. Rien n'est sûr. Mais pour l'instant, en gros, ce que l'on saurait peut-être du film, c'est que le film va se baser sur les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs sont en fait des Sith qui sont là pour chasser du Jedi. Ah, je croyais que c'était les connards catholiques qui avaient tué plein de monde à l'époque. Bah, ça y ressemble, bien clairement, c'est clairement fait exprès qu'ils s'appellent les Inquisiteurs, je pense. Et du coup, d'après ce qu'on saurait peut-être, mais pas sûr, ils auraient enlevé Luke Skywalker. Et les nouveaux héros de Star Wars 7 seraient là pour aller libérer Luke Skywalker, en fait. Encore une fois, je le répète, c'est à mettre au conditionnel, ce ne sont que des rumeurs. Et du coup, J.J. Abrams a fait un tweet pour la photo Kaoru, c'est la photo avec une main de robot qui tient, voilà, cette main-là. Nickel, bah, franchement, tu gères. Et en disant ça, je me rends compte que j'ai pas l'autre photo, mais tant pis. Et donc, ce serait la main d'un des inquisiteurs. Et sur une autre photo, on a pu voir, en fait, ce qui serait peut-être un inquisiteur, donc avec une capuche et une gueule assez bionique, tenir le costume de Dark Vador. Voilà, pour l'instant, de ce qu'on a vu sur les photos. Tout ça pour vous dire qu'il sortira le 18 décembre 2015. Non, pas Dark Vador. Il disait que c'était la main bionique de Luke Skywalker. Oui, mais il tient le costume de Dark Vador sur la photo. Ah ouais? Ouais, il a le costume de Dark Vador dans les mains. Vous pouvez la trouver très facilement, parce que c'est les news qui... Donc Dark Vador n'est pas mort. Il a son costume. Je ne dis pas qu'il tient Dark Vador n'est pas mort. Et le costume est abîmé. Bah, peut-être, voilà, qu'il l'a emmené. Peut-être que toute la première demi-heure du film, c'est Luke Skywalker qui emmène le costume de Dark Vador au pressing parce qu'il est abîmé et qu'il est sale. Ça serait génial. T'imagines? Bon, en tout cas, c'est un énorme pari pour J.J. Abrams parce que je pense que tout l'enjeu de ce Star Wars, ce sera essayer de faire un méchant aussi charismatique que Dark Vador, ce qui n'est pas chose facile. Ouais, et alors, je peux déjà vous dire la fin du Star Wars de J.J. Abrams. Et tous les héros de la galaxie sont en fait dans une église. Et là, il y a le père de Luke Skywalker qui ouvre la porte et ça finit comme Lost. Et c'est vraiment dur. Hein. Mais bon, vous savez comment finit... Est-ce que tu as une petite news, toi? Oui, moi, je voulais vous parler du box-office. Parce que celle sur Godzilla ne m'intéresse pas plus que ça. Le box-office, pour vous dire que les Tortues Ninja conservent la tête du box-office américain pour la deuxième semaine. 28 millions engendrés cette semaine. Ça les met à 117 millions pour le film produit par Michael Bay.
dont la nouvelle bande-annonce m'a fait furieusement peur. C'est vrai ? Ah, mais en genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va être cette... Mais alors, là où c'est génial, c'est que j'ai vu donc, la bande-annonce des Tortues Ninja, et ensuite j'ai vu la bande-annonce d'un film où Antonio Banderas, c'est un pirate. Et alors je me suis dit, un film ultra kitsch où Antonio Banderas, c'est un pirate. Et tout d'un coup, qui apparaît à l'écran ? Bob l'éponge. Et en fait, Antonio Banderas... Comment ? Antonio Banderas... Et là, Mickey sort derrière un fourré comme ça. Non. Antonio Banderas joue dans un film Bob l'éponge. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Et cette bande-annonce, si vous ne l'avez pas vue, c'est de la news. Vous pouvez la regarder, mais c'est seulement en ayant bien conscience de ce que vous faites et en ayant un maximum de Prozac à côté de vous. Parce que derrière, il risque d'y avoir un choc psychologique extrêmement douloureux. Bref, les Tortues Ninja sont premiers du box-office américain, deuxième les Gardiens de la Galaxie. Et quatrième, pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, le film qui devait faire 50, 60, 70 millions de dollars en 3 jours, c'est Expendables qui a fait 16 millions de dollars. C'est, alors là, c'est une énorme claque pour le film. Pourtant, le 2 avait bien marché de mémoire. Oui, le 2. Mais là, visiblement, le 3... il y a eu les projections presse qui ont été faites, où il y a des retours globalement... qui sont mitigés, qui ne sont pas forcément négatives, mais où toute la presse souligne le fait que Expendable a changé d'orientation pour plaire à un public plus large. Le film est donc moins barré, toujours il fait moins signe, de références aux films d'action des années 80-90, et il est moins violent. Et c'est peut-être une des raisons qui a fait fuir le public, et puis il faut aussi reconnaître qu'on en a un peu ras le cul de ce genre de film. Donc Expendables 3 se prend une grosse claque. Est-ce qu'on fait le box-office français dans la foulée ? Tu veux faire le box-office français ? Ouais. Ben pour le box-office français, j'ai un petit visuel. Désolé, j'ai pas eu le temps de faire pour ton box-office américain. C'est pas grave, ça ne méritait pas. Donc, petit point sur le box-office français. Premier, c'est Lucy. Alors, on parle évidemment que de cette semaine. Donc, les entrées cumulées de cette semaine. Donc, premier est Lucy, avec une affiche que je vais vous montrer en un peu plus grand tout à l'heure. Avec 1 941 424 entrées pour sa première semaine d'exploitation. Ouais. Deuxième, La Planète des Singes, avec 849 215 entrées après deux... Non, juste pour... Ouah, je vais vous perdre. Je refais. Deuxième, La Planète des Singes avec 849 215 entrées cette semaine et un cumulé de 2 596 136 entrées sur deux semaines. C'est très bien. Et troisième, Nos Pires Voisins. Première semaine d'exploitation, il en est déjà à 309 858 entrées. À noter que Transformers se classe septième avec 170 518 entrées cette semaine et 2 204 000. Mais aux États-Unis, il s'est écroulé d'une manière absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait une très très bonne première semaine, hein, puisqu'il a dépassé les 100 millions en 3 jours. Par contre, dans la foulée, catastrophique, il n'est plus dans le top 15. Ouais, non, mais c'est assez fou ce qui se passe avec Transformers. J'ai envie de dire tant mieux, parce que j'en ai un peu ras le cul des Transformers. Moi aussi. Mais voilà, et j'ai aussi envie de signaler la 5e place avec 216 114 entrées de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et qui, après 17 semaines d'exploitation, totalise quand même 11 618 459 entrées, ce qui est énorme. On peut d'ores et déjà le dire, hein, ça sera à moins que Samba, le nouveau film de réalisateur d'Intouchables, soit un phénomène encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu risque d'être le film qui fera le plus d'entrées en 2014 en France. Et vu du coup que je vous ai un peu teasé avec cette affiche de Kerr, j'ai d'abord envie de vous montrer les affiches de Jim Carrey. Alors pourquoi vous voyez ça de Kerr ? C'est parce que c'est Monsieur Jim Carrey qui m'a donné cette idée. Ouais. Pour la promotion de Dumb and Dumber 2, ils ont décidé de parodier les affiches de Lucy, ce qui est pas mal. Sur Lucy, vous pouvez lire... la moyenne des personnes utilise 10% de leur cerveau. Imaginez ce que quelqu'un pourrait faire avec 100%. Et bien sur celle de Dumb and Dumber, c'est dit... Donc pareil, la moyenne des personnes utilise 10% de leur cerveau. Imaginez ce qu'on peut faire avec 1%. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. On a aussi celle de Jim Carrey, je pense, KO. Je ne sais pas si je l'ai mise ou pas, qui est celle que je préfère. Voilà, on sent toute l'intelligence derrière le regard. Si le film est aussi bon que leur gueule, ça promet. Ouais. Et du coup, je me suis amusé à en faire une pour Kier. Voilà ce que ça donnerait. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, c'est en moyenne, des personnes connaissent 10% des actrices féminines. Imaginez ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait arriver si quelqu'un en connaissait 100% des actrices féminines. Ouais, voilà. Guerre. Et du coup, j'en profite pour lancer un petit truc. Pourquoi pas, ça marchera, ça marchera pas. Vous qui êtes sur le chat, vous qui nous regardez, s'il vous prend l'envie de faire des affiches parodiques avec les gueules des gens de Cult & Click,
amusez-vous, pourquoi pas on fera un petit top 10 et pourquoi pas faire gagner des lots. T'as le Marquis de Sade, on a fait cette semaine pour l'anniversaire de Jennifer Lawrence, il m'a mis en photo avec Jennifer Lawrence sur la plage. Et dans la foulée, il en a fait une où je suis au lit avec Elisabeth Olsen. Et ensuite, où je suis, et c'est ma préférée, hein, où je suis avec Gypsy Danger de Pacific Rim. Génial. Bah écoutez, amusez-vous à faire ça. Envoyez-les-nous sur Twitter, ncardel, ygkr. On vous retweet. Alors ça, si vous nous faites un montage de qualité, c'est le retweet assuré. Et puis, ce sera peut-être un top 10 et pourquoi pas des choses à gagner fin de l'année. Un voyage aux Bahamas, une PS4, montez chez vous par Ken Bogard. Dans l'espace. Mais interstellaire, un voyage interstellaire avec Matthew McConaughey. Et pourquoi pas aussi une projection cinématographique privée avec nous. Et avec les acteurs. Les meilleures scènes de la saga Emmanuel. Voilà, plein de trucs. Mais alors le Marquis de Sade, il a fait ma semaine, hein, avec ça. Faudrait que j'en regarde. Je l'ai montré à tous mes proches. J'ai dit, ah, regardez, je suis avec Jennifer Lawrence. J'ai pas dit ça, mais en gros, j'ai dit, ouais, avec Jennifer Lawrence. Voilà. Et alors, j'ai vu, du coup, vu qu'on a parlé de Lucie, beaucoup de gens, et notamment Luc Besson, qui est venu sur le chat et qui nous a dit que c'était mal poli, que c'était pas cool qu'on parle de ça. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens dire Besson, cinéma poubelle. Et j'aimerais rebondir sur ce que disait Monsieur Blackmiss, qui dit, faut pas déconner, au début de sa carrière, Besson faisait de bons films. Et je plussois ce que tu dis, parce qu'il faut pas oublier les Léons, les Nikita, le Grand Bleu, Yamakasi, Taxi, Arthur et les Minimoys. Mais ouais. Non, voilà, Besson, c'est aussi Nikita, c'est aussi le Grand Bleu, c'est aussi EuropaCorp, qui, mine de rien, est une énorme société de production européenne. Et c'est très bien qu'on ait ça pour un peu contrecarrer les sociétés de production américaines. Donc, il a aussi essayé de lancer une cité du cinéma. C'est louable. Ah, avec les impôts français. Avec les... Voilà. Bon, alors, par contre... On en avait déjà parlé dans Cult & Click. Les problèmes avec le fisc de notre ami Luc. Si tu nous regardes, eh ben, on n'espère pas, quand même. Et je vais faire une dernière news ciné très rapide. Est-ce que tu m'autorises? Non, mais alors, je t'en autorise même deux. Je n'en ai qu'une. Écoute. Après notre point, Robin Williams. Non, j'ai envie de vous parler, moi, d'un film qui sent bon, parce que ça va être... Le parfum. Film, le parfum qui sent bon. C'est un film. Non, en fait, ça va être un film adapté du roman policier qui s'appelle Inherent Vice, qui a été écrit par Thomas Pynchon. Je ne sais pas comment il faut dire. Pynchon. Thomas Bref, Pynchon, ouais. Ce monsieur a écrit un roman qui va être adapté au cinéma par... pas n'importe qui, car il va être réalisé par Paul Thomas Anderson. Qui n'a rien à voir avec le réalisateur de Resident Evil. Tout le monde confond à chaque fois les deux. C'est quoi le nom du réalisateur? Personne de Resident Evil? Personne ne le sait, mais c'est un truc qui ressemble à ça. D'accord. Non, c'est pas le même. Là, c'est le réalisateur de There Will Be Blood, avec, évidemment, j'ai un trou de mémoire. Daniel Day-Lewis. Merci, avec Daniel Day-Lewis. Très bon film. C'est aussi le réalisateur de Magnolia. Et là, et il va donc... le réalisateur de The Master, qui est un des derniers films de Philip Seymour Hoffman, qui était son acteur fétiche. Donc, c'est un de ses acteurs fétiches. Non, c'est vrai. Et du coup, très bon réalisateur pour cette adaptation, et qui aura en tête d'affiche, pas n'importe qui non plus. Un grand réalisateur mérite des grands noms d'acteurs. Et donc, il y aura Josh Brolin, qui jouera un détective qui est droit dans ses bottes, et un peu son sorte de némésis, qui sera joué par Joaquin Phoenix, qui sera un détective complètement accro à la drogue. On aura aussi Benicio Del Toro, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Jenna Malone et Sacha Peters, donc que du beau monde. Il est attendu pour le 12 décembre prochain aux États-Unis. Il n'y a pas encore de date de sortie française, mais j'ai assez hâte. Et normalement, Kaoru, tu as une photo avec Josh Brolin et Joaquin Phoenix. Je trouve qu'on ne les reconnaît pas du tout. J'aime beaucoup cette esthétique qu'ils ont réussi à trouver pour ces deux personnages. Et du coup, si tu pouvais afficher cette jolie photo, mon bon Kaoru, es-tu encore avec nous? Oui, je t'entends, merci pour la photo. Et donc voilà, Joaquin Phoenix accompagné de Josh Brolin, ça a l'air plutôt sympathique. Je déteste Josh Brolin, mais j'ai beaucoup d'admiration quand même pour lui. C'est vrai? C'est... Pourquoi? Je sais pas. Puisqu'on parle... Et je vois Medjay qui demande quel est le nom du film. En français, il s'appellera Vice Caché, et en anglais, il s'appelle Inherent Vice, comme le nom du roman écrit par Thomas Pynchon. Et puisqu'on parle de cinéma indépendant, j'ai une petite news à vous dire. Alors, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, mais apparemment, Jennifer Lawrence sortirait avec le leader de Coldplay. Ah, avec Chris Martin. Ouais, avec Chris Martin, ouais. Bien les boules. Il était pas avec Gwynel, avec qui il était? Il était avec celui qui joue le fauve dans X-Men, dont Nicolas Hoult. Non mais Chris Martin était avec... Ah, il était avec Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ah oui, non mais là c'est le moment people, c'est le moment people. Non, est-ce qu'ils vont bien ensemble? Je l'avais prédit sur l'affiche. Imaginez quelqu'un qui connaîtrait 100% des actrices féminines. C'est dur.
Donc voilà. Voilà, bah écoute, moi j'en ai fini pour mes news ciné. Ouais, et du coup on va passer à Robin Williams. Passer de Jennifer Lawrence qui sort avec Chris Martin et alors là, il y a Ashran qui dit elle se tape du vieux Kerr, tu as toutes tes chances. C'est vrai. Mais moi, sur un piano, j'ai quand même vachement l'air con. C'est vrai ? Ouais, ouais. Faudrait essayer. J'aimerais bien de voir. Qu'est-ce qu'il chante Coldplay déjà ? Et les oiseaux volent dans le ciel. Trouble. Ah ouais, ouais. Mais j'adore Coldplay. Un peu moins maintenant, mais. Un peu moins. Depuis le plagiat. Mais bref, du coup. Mais tu sais que beaucoup de chansons de l'album Viva la Vida ont été plagiées, ils ont perdu le procès. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Eh oui ! Oh ! No playing. Oh. Bah celle-là, c'est du plagiat. Ah ouais, ouais, et ça a été repris d'une comptine qui s'appelle Oh Oh Oh. Quand je chante dans les écoles maternelles. Bon. On l'a fait cette émission ou pas ? Tout à fait. Et Ben Affleck s'est blessé sur le tournage de Batman. Et ouais. Donc j'ai lancé une rumeur, c'était en faisant de la Batmotobilette. Que veux-tu voir, Cardel ? Oui, j'ai vu, c'était assez drôle sur ton Twitter. Merci. Mon Twitter qui est YGKR alors que le tien c'est N Cardel. N Cardel. Et c'est pas parce qu'il est pas là qu'on va pas le citer. Celui de Big B, c'est Greg is Big B avec des tirés au milieu. Troisième acolyte. Notre troller de l'extrême qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est au Japon, on vous le rappelle, sur les traces de Godzilla. Oui. Et quand je dis Godzilla, c'est la version avec Jean Reno. Hein. Attention. Hein. Pas celle avec Brian Cranston ? Non, il va nous ramener Matthew Broderick et Maria Pitillo. Parce que oui, je me rappelle comment s'appelle la blonde bouclée de Godzilla sortie par Roland Emmerich en 98. Elle s'appelait Maria Pitillo. D'accord ? Je dois être le seul en France à me rappeler encore son nom. Et il va nous ramener ces deux acteurs perdus du Japon. Alors oui, mais déjà, je suis allé voir et j'ai kiffé. Et on en reparlera peut-être plus tard. Et du coup, je te propose, avant de passer à Robin Williams, qu'on se remette ce petit extrait de Good Morning Vietnam. Ouais. Comment penses-tu ? Kaoru, es-tu prêt ? Que les premières secondes, hein. Oui, alors, quand il aura coupé nos micros, je te dirai pourquoi. Ah, tu veux le montage ? Oui. Mais je peux gérer le début. Ah, ben, comme tu veux. Ben, on va vous repasser le petit extrait de Good Morning Vietnam. Et je dirai à Kaoru, notre ami là doit aller faire un truc où lui seul peut aller. Eh ben... Tout de suite l'extrait. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, Da Nang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. Freddy and the Dreamers. Et donc nous revoilà, alors on a appris cette nouvelle quelques heures seulement après le précédent Cult & Click la semaine dernière. Pour tout vous dire, j'étais heureux en train de regarder les épisodes d'Entourage quand soudain mon Twitter en feu est allé m'inonder de RIP Robin Williams. Je ne pouvais y croire, Robin Williams est en effet décédé lundi et nous l'avons appris aux environs d'une heure du matin. Entre la nuit de lundi à mardi. Cardel n'est pas là, il revient, ne vous inquiétez pas. Robin Williams, alors, j'ai envie de réagir sur plusieurs choses le concernant. Le premier, c'est la réaction pleine d'émotion qui a envahi la twittosphère et globalement tout le monde sur le décès de Robin Williams. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous vraiment touchés. Et j'ai vu ici et là quelques remarques sur l'hypocrisie qui pouvait être la nôtre à tous ceux qui ont réagi à coups de RIP Robin Williams, etc., sur le fait donc que l'on serait soi-disant hypocrite. Parce que ça faisait un paquet d'années qu'on se moquait de Robin Williams et de ce qu'il faisait. C'est notamment le cas de Franck Dubos qui a fait cette remarque en disant que les médias et toutes les personnes qui balançaient des RIP Robin Williams étaient hypocrites parce que ça faisait un bon moment qu'on n'avait que faire de son parcours cinématographique. J'ai envie de dire, c'est vrai, et en même temps, c'est vrai, oui, ça fait quelques années, en effet, que Robin Williams était sorti de notre vie, mais d'une certaine manière, Franck Dubosc a oublié un élément très important, c'est que
Robin Williams a particulièrement... Franck Dubosc. Oui, il a dit qu'on était des hypocrites. Pas nous directement, hein, tous ceux qui... Enfin bref, t'avais qu'à écouter. Mais je suis assez d'accord avec lui. Malgré ce qu'on va faire là, je suis assez d'accord avec lui. Mais non, sur le fait que beaucoup de gens surfent là-dessus. Oui, alors peut-être. Notamment les jeux vidéo, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oh non, les jeux vidéo, c'est mérité, franchement. Sur World of Warcraft. Il a pas arrêté d'en parler, Robin Williams. C'est un plus que normal que Blizzard fasse un truc. Ça a été sur la demande des joueurs. Ouais. Et Zelda, c'est pareil, il y a une pétition qui demande que Robin Williams apparaisse d'une manière ou d'une autre, soit évoqué dans le prochain Zelda, parce qu'il était fan de Zelda, et notamment avec sa fille. Sa fille qui s'appelle Zelda. Qui s'appelle Zelda, oui, tout à fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas vraiment hypocrite? Parce que Robin Williams fait appel à une partie de notre vie qu'on chérit tous, c'est notre enfance, puisque Robin Williams était une des figures de notre enfance, nous qui sommes des rejetons des années 80-90, on a grandi, on a découvert, en tout cas pour moi c'est notamment le cas, on a découvert le cinéma avec certains des films de Robin Williams comme Hook, comme Madame Doubtfire, Jumanji, que j'ai pu voir au cinéma quand il est sorti. C'était un des premiers films que j'avais choisi d'aller voir au cinéma, que je suis allé voir. Il y avait aussi Jumanji. Bon, et puis aux États-Unis il y a eu Flubber qui voilà. très c'est vrai qu'il y avait Flubber, ouais, j'avais oublié Flubber. Et ne pas oublier qu'il a fait il est sorti en France mais il n'a pas marché en France. Par contre aux États-Unis ça a été un peu plus... Et puis il faut pas oublier que Robin Williams c'était quand même la voix de beaucoup de personnages Disney, dont Aladdin. Le génie. Oui, voilà. Nous en France c'était Richard Darbois qui a doublé le génie. Richard Darbois qui double aussi Harrison Ford, qui a fait des doubles. Enfin, je vous conseille d'essayer de trouver sur YouTube des images de Richard Darbois, j'adore ce mec. Mais voilà. Et oui, ça, il a marqué aussi beaucoup l'imaginaire de beaucoup d'enfants anglo-saxons, ouais, parce que c'est lui qui faisait les voix de plein de personnages. Exactement. Disney. Et c'est pour ça que le décès de Robin Williams nous touche vraiment, et ce n'est pas histoire de dire ouais, on va parler d'un mec qui est décédé parce que c'est bien d'en parler, non. C'est vraiment quelque chose qui nous a touchés parce qu'il faisait partie de notre enfance. Donc certes, il est vrai que depuis les années 2000, on s'est désintéressé du parcours de Robin Williams, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a marqué notre enfance. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment, un léger peut-être chez certains, peut-être plus fort chez d'autres, un sentiment de culpabilité du fait qu'on ait laissé Robin Williams, on s'en désintéressait depuis des années, alors qu'au final, il termine dans la dépression, le suicide, etc., alors que c'est un personnage qui a marqué notre enfance. Ouais. Est-ce qu'on ne se sent pas aussi coupable de se dire, mais moi c'est ce que je me suis dit au moment où j'ai appris sa mort, je me suis dit, merde, Robin Williams est décédé. C'était un monstre de mon enfance et dans les faits, j'en avais plus rien à carrer depuis un bon moment. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, ce fait de dépression. Robin Williams, un jour, avait déclaré qu'il s'était rendu compte que la pire des choses n'était pas forcément d'être seul, ce n'était pas la solitude, mais que lui, ce qui le rendait le plus mal, c'est de se rendre compte qu'il était seul tout en étant énormément entouré. Et ça a été un peu tout son problème de se sentir seul tout le temps, alors que plein de gens gravitaient autour de lui. Il n'a jamais réussi à... Ouais, peut-être à se sentir aimé, voilà, donc... Ouais. Donc voilà, je n'ai pas de conclusion à cette phrase, mais... Ouais. Alors, cette année, il y a eu une série qui est sortie de lui, c'est The Crazy One, ouais, c'est ça, avec Sarah Michelle Gellar également, et donc, c'est une série qui était relativement correcte, et qui, malheureusement, n'a pas du tout eu le succès escompté, et qui, visiblement, allait être annulée. Donc voilà, c'était la dernière apparition de Robin Williams à la télévision. Il apparaîtra dans d'autres films. Le projet Madame Doubtfire 2, sur lequel s'était engagé l'acteur, semble plus que compromis. La Fox avait annoncé quelques minutes après le décès de Robin Williams que le film était annulé. Cette annonce a été retirée comme par magie, parce qu'ils se sont dit, vu l'émotion autour de Robin Williams, peut-être on arrivera à en faire une suite sans lui. On l'espère franchement pas, hein. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Bon, Robin Williams, c'est justement, à part justement jouer sur le fait que Robin Williams soit décédé. Ouais. Et là, par contre, ça passerait pas du tout. Hein. Non, je pense pas. Et aussi, il faut savoir qu'il devait peut-être être dans un film des Monty Python de Terry Jones, notamment. Il va y être. Et bien, apparemment, il aurait été coupé au montage. Terry Jones, il a dit que c'était bon. Il s'explique que c'est bon. Alors, le film s'appellera Absolutely Anything.
j'ai vu absolutely nothing, donc c'est absolument tout. Voilà, les gens ont eu peur parce qu'apparemment, il n'aurait peut-être... Alors, il y a eu pas mal de rumeurs à propos de ce film, comme quoi il n'aurait pas eu le temps de se rendre... C'est ce qu'a dit Simon Pegg, qui est le héros du film. En fait, Robin Williams a doublé son chien, et apparemment, il aurait eu le temps de les boucler. Il aurait eu le temps de boucler l'enregistrement. Donc, on sait déjà qu'on le retrouvera donc, dans Absolutely Anything de Terry Jones, un des mecs des Monty Python, comme les Terry Gilliam d'ailleurs, dans des hommes des Monty Python. Et aussi, alors très ça je trouve ça plutôt pas mal, et si justement vous ne connaissez pas bien Robin Williams, c'est l'occasion d'y aller, et en plus sur grand écran, parce qu'en fait la ville de Paris a décidé de faire une nuit au cinéma dédiée à Robin Williams en septembre. On pourra notamment voir Hook, on pourra voir Le Cercle des Poètes Disparus, Jumanji. Alors, c'est normalement, ce sera le 6 septembre prochain, ça se passera au Max Linder, qui se trouve 24 boulevard Poissonnière, Paris 9e, pour ceux qui se trouvent à Paris, désolé pour les autres. Et voilà, en fait, ce sera trois films et un petit déjeuner, donc les films que je vous ai cités, c'est-à-dire Hook, Le Cercle des Poètes Disparus et Jumanji. Et puis voilà, début de la projection à 23h30, donc ça va durer toute la nuit. Et ce sera le 6 septembre. Et une des remarques que je me suis faite en apprenant le décès de Robin Williams et en écrivant l'article sur Crossover, on était emballés, tu sais, dans une espèce d'émotion vive de toutes parts. Donc c'est vrai qu'à la fin de la rédaction de l'article, j'ai encore une fois épluché les oignons. Ce que je me suis dit sur Robin Williams, c'est qu'au final, on lui a pas donné tant de rôles que ça. Attends, excuse-moi, Babarge, The Final Cut, est-ce que c'est le film où ils enregistrent les souvenirs? Voilà, tu me répondras dans quelques instants, pardon. Je me souvenais plus que c'était Robin Williams dedans. On va vérifier tout ça. Eh ben oui, c'est Robin Williams, et alors est-ce que c'est le film auquel je pense? Oui! Il était pas mal, pas souvenir. Ah oui, c'est vrai! Eh oui! C'est vrai. Et dans les films qu'il a fait de récent, moi j'avais adoré Photo Obsession, où il était tout à fait flippant. Insomnia, c'est très bien aussi. Et en fait, ce que je me disais, c'est qu'au final, malgré un début de carrière absolument incroyable, notamment avec Good Morning Vietnam, on n'a pas donné énormément de rôles à Robin Williams. Je pense qu'on peut le regretter. Bon, il a eu énormément de problèmes. Mais voilà. Il y a Tiffus qui dit pourquoi tu parles, Carl? Personne t'écoute. Cette agression gratuite. Mais ouais, mais pourquoi est-ce que je parle? Mais putain, bonne question. Mais je me le demande. Ah, mais tiens, mais d'ailleurs, taisons-nous. Ah oui, regarde voilà. Ce qui passe à l'écran. Ouais. Alors, on rappelle que Robin Williams adorait taquiner les Français. Quasiment chaque interview, il y avait une petite phrase pour nous. Ouais. Tribute, you'll be missed. C'est vrai que Dr. Patch, c'était pas folichon, quoi. C'était pas Dr. Patch, j'ai pas vu Dr. Patch. Il joue un docteur qui s'appelle Patch. J'ai pas vu, toi. Ouais, love and affection. That will, you and Betty White, that's the only two that get it. Peut-être pas se taper toute l'interview. Oui, t'as fait le truc. On va peut-être pas se taper toute l'interview. Alors, on vous a parlé d'Absolutely Anything, dans lequel il sera donc prochainement au cinéma. Mais il y a aussi trois autres films dans lesquels il se trouvera. Il y aura World's Greatest Dad. Ah, mais je sais pas si t'as vu, mais il est dans The Face of Love, qui est sorti au cinéma le mois dernier, ou il y a deux mois. Il est aussi dans Le Majordome, j'avais pas vu qu'il était dans Le Majordome. Ouais, il est dans Le Majordome, il va être prochainement dans The Hungriest Man in Brooklyn, et aussi dans La Nuit au Musée, Le Secret des Pharaons, ouais. Aux côtés de Ben Stiller. Donc. Et The Hungriest Man of Brooklyn, avec Peter Dinklage et Mila Kunis. Donc un film qui va avoir le droit à une grosse sortie, logiquement. Donc voilà, il y a Moglière qui dit qu'il souffrait d'un début de maladie de Parkinson, en effet.
Moi, c'est vraiment le truc que je me suis dit en écrivant l'article, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai conclu l'article, c'est que la manière dont est parti Robin Williams, qui est vraiment, ça symbolise la tristesse, on va dire extrême, hein. Après nous avoir fait autant rire dans l'intervention, je me suis dit quand même que Peter Pan ne voulait plus voler, quoi. Et c'est vrai. C'était pas évident. Et du coup, on a préparé chacun un petit coup de cœur sur un film de Robin Williams. Ça va être le coup de cœur de la semaine. Yes, alors, pour des raisons de budget, tous les bruitages de cette scène seront faits à la bouche. À la bouche. Il y a Carmel qui revient. Plouc. Et donc, on va commencer ces coups de cœur. Par le mien, puisque Cardell n'est plus là, et mon coup de cœur, alors vous allez voir, c'est un classique, hein, c'est Good Morning Vietnam, qui est un film qui est sorti en France en 1988, en septembre pour être précis, un film de Barry Levinson, qui plutôt bien fonctionné au box-office. On revient toujours au box-office, même quand il s'agit de Robin Williams et de lui rendre hommage, parce que c'est un film qui n'était pas du tout attendu et qui a rapporté bien plus que son budget, puisqu'il l'a rapporté 10 fois plus, tout simplement. Et il a été dans le top 5 des films qui ont eu le plus de succès dans l'année 87 aux États-Unis, puisqu'il est sorti en 87. Et en France, il a presque atteint le million, ce qui est tout à fait correct. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Good Morning Vietnam ? Parce que c'est un film qui symbolise vraiment le talent qu'avait Robin Williams et qui en plus parle de sujets qui sont très forts, parce que en l'occurrence la guerre du Vietnam. De quoi parle Good Morning Vietnam ? C'est l'histoire d'Adrian Cronauer, qui est un présentateur radio, qui est en fait à la base un soldat de l'aviation américaine, qui est envoyé au Vietnam, mais qui se fait connaître pour la présentation d'émissions, son talent d'animateur. Il intègre donc la radio des forces armées américaines, où il anime une émission très différente de ce que propose la radio d'ordinaire. La radio qui est dirigée par deux individus qui ont tout simplement un balai dans le cul, c'est le lieutenant Hawk et le sergent-major Dickerson, et qui sont interprétés notamment par G.T. Walsh, qui est décédé il y a quelques années et qui est un très grand acteur. Et Robin Williams arrive avec ses idées à lui, son humour, sa musique qui n'a rien de conventionnel, et de fait, il apparaît comme un espèce d'électron libre dans cette armée américaine envoyée au Vietnam et confrontée à la souffrance que pouvait être cette guerre qui a duré très longtemps et où les Américains ont eu énormément de difficultés et énormément de victimes, bien évidemment, comme dans de très nombreuses guerres. Je dis des conneries, mais j'attends que Cardell arrive. C'est pas évident de faire une émission tout seul. Dans ce film, Adrian Cronauer donc présente cette émission radio avec énormément d'humour. Il se moque énormément de l'armée américaine, des politiques, de la royauté anglaise notamment. Il égratigne tout le monde, les people. Bref, il propose quelque chose que les soldats américains n'ont absolument pas l'habitude d'entendre. Et à côté de ça, le film, alors c'est une des forces du film, hein, c'est incontestablement la présentation radio de Robin Williams, où il le fait avec énormément d'humour et beaucoup de talent. Mais l'autre force du film, je trouve, c'est toutes les scènes où finalement Robin Williams sort de la radio et se promène dans Saigon, puisque le film se déroule à Saigon, et où il nous présente à sa manière, par son parcours, la guerre du Vietnam, et en tout cas la guerre du Vietnam à ses débuts, c'est-à-dire à une période où finalement les Américains se battaient peu et subissaient énormément la pression psychologique des Vietcong qu'ils ne voyaient pas. Parce que pendant de nombreux mois, les Américains n'ont quasiment jamais vu de Vietcong. Et c'était une guerre qui était avant tout psychologique. Et on voit à travers le film toute la mutation que peut provoquer la guerre sur la ville de Saigon vis-à-vis des populations locales. La manière aussi dont les Américains traitaient le
on va dire, la population asiatique. Il y avait aux États-Unis et très ancré chez les Américains à l'époque, un profond racisme à l'encontre des Asiatiques, qui était le résultat de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et du conflit avec les Japonais. Et on voit tout ça dans le film. Lui, Robin Williams, est un espèce d'ovni dans ce milieu-là. Il n'a rien à voir avec les autres. Et il tombe amoureux d'une Vietnamienne. Il se lie d'amitié avec des Vietnamiens. Et c'est vraiment, je trouve, intéressant. Et puis on voit vraiment toute la palette du talent de Robin Williams, qui, à travers rien qu'une scène, c'est la scène où il est en voiture avec Forest Whitaker, qui est, ouais, c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs, immense Forest Whitaker. Il joue bien en plus là. Il est génial. Forest Whitaker, je l'ai regardé hier, Good Morning. Et c'est la scène où ils sont en voiture, Robin Williams ne veut plus présenter l'émission, il tombe sur un convoi. Et Forest Whitaker dit hey, regardez, c'est Adrian Cranauer qui est ici. Et donc les Marines disent ouais, fais-nous une good impro. Good Morning Vietnam. Voilà, fais-nous un Good Morning Vietnam. Et en fait, Robin Williams commence. Alors il troll les Marines, il se moque d'eux ouvertement, il les fait rire, tout le monde est sur le cul. Et très vite, Robin Williams se rend compte que les personnes dont il est en train de se moquer, qu'il voit en face de lui, sont des Américains qui vont très probablement mourir au combat. Et là, directement, Robin Williams change complètement de visage, ses émotions, tout. Et il passe d'un humour qui était franchement festif à quelque chose de très triste, de très pesant, et le tout en une scène. Et j'ai trouvé que cette scène symbolisait vraiment Robin Williams. Ouais. Donc j'ai été très agréablement surpris par ce film, que j'ai vu très tardivement, puisque je l'ai vu quand France 2 l'a rediffusé cette semaine, puisque j'avais des failles dans ma culture Robin Williams, tu sais que j'avais pas vu non plus. Je n'ai pas vu que hier. Oui. J'avais Good Morning Vietnam, j'étais pas. Et c'est là où je me suis senti vraiment con. Je me suis dit, en fait, tu regardes toutes les merdes de Schwarzenegger et de Jason Statham parce que tu veux voir tous les films qui sont sortis depuis que tu t'intéresses vraiment au cinéma, mais tu n'as pas vu des classiques comme Le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai vu cette semaine et que j'ai trouvé très bien aussi, ou surtout Good Morning Vietnam. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des films de Robin Williams ont été défoncés par la critique. Ah ouais? Ouais, Le Cercle des Poètes Disparus n'a pas eu de bonne critique du tout. C'est fou. Ouais. Et pourtant, ce sont devenus des classiques, mais ce sont devenus des classiques non pas parce que la critique en a décidé, mais parce que le public a adhéré. Et Le Cercle des Poètes Disparus est un des plus grands succès des années 80, mais n'a pas eu un succès critique très fort. Par exemple, il n'a pas eu d'Oscar, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que Robin Williams n'a eu qu'un seul Oscar dans toute sa carrière, c'était pour Will Hunting. Et, quel bon film, Will Hunting. Par contre, il a eu un Golden Globe pour Good Morning Vietnam. Et c'est quand même foutrement mérité. Hein. Complètement, complètement. Mais du coup, pour mon coup de cœur, moi j'hésite encore. Hein. Je ne sais pas quel film choisir. J'hésite entre Jumanji et Will Hunting, pour être précis. Pourquoi j'hésite entre ces deux-là? Parce que je trouve que ça reflète deux personnalités très différentes du jeu d'acteur de Robin Williams. Et donc, tant qu'à faire, pourquoi pas en faire un sur les deux? J'ai compris Jumanji et l'autre, c'est Will Hunting. Ah, ouais. Will Hunting, tout simplement, parce que Jumanji, et tu nous le dis souvent pour Pacific Rim, toi, les films que tu avais envie de voir étant petit, eh ben, tu as pu les voir grâce à Pacific Rim, ces robots géants et tout. Eh ben moi, les films que je voulais voir quand j'étais petit, ben, je les ai eus, et c'était notamment Jumanji. J'ai été fasciné par ce film en étant petit. J'avais envie de jouer à ça, j'avais envie d'être là. Moi aussi. Il faut savoir que c'est aussi une prouesse technique, Jumanji. Alors on va faire très vite de quoi ça parle, parce que je pense que absolument tout le monde sait de quoi ça parle. Jumanji, c'est monsieur Robin Williams, c'est un petit qui a un jeu, le planque dans un grenier. Je vais le faire très vite, je ne l'ai pas vu récemment, donc s'il faut, je vais un peu me planter, mais je crois que c'est ça. Ces gamins tombent dessus et ils vont commencer une partie de Jumanji. Le seul problème, c'est que quand tu commences une partie, tu es obligé de la finir. Et il va se passer des choses plus ou moins étranges. Notamment, ils vont se retrouver au milieu de la savane, des singes vont envahir la ville, ils vont se retrouver au milieu de lions, un troupeau d'éléphants et de plein d'animaux différents va ruiner leur maison. Voilà, il faut savoir que dans ce film, aucun des animaux vus à l'écran n'est réel. Aucun. Ce sont les studios de George Lucas qui ont fait les effets spéciaux de ce film. Et ils étaient vraiment très bons pour l'époque. Ils le sont peut-être encore.
Quand je regarde le trailer, moi ça me choque pas. Et pourtant, ce film est sorti il y a bien longtemps déjà, vu qu'il est sorti en 95, déjà 20 ans. Déjà 20 ans, mais 95 quand même. Il est sorti il y a 20 ans. Et puis voilà, moi c'était un gros kiff de voir ça. On peut citer Hook aussi dans le même genre. C'était des films à kiff de Robin Williams. De Spielberg, Hook. Hook de Spielberg, exactement, et Jumanji de Joe Johnston. Qui est réalisateur de Jurassic Park 3 aussi. Joe Johnston ? Ouais. Jurassic Park 3 ? Ouais, c'est... Sorti quand, Jurassic Park 3 ? En 2001. 2001, peut-être. Et voilà, je vois qu'on parle du dessin animé. Effectivement, il y a une série animée qui avait été diffusée sur France 2 de 96 à 99. Pas utile de la regarder. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il existe un vrai jeu de société de Jumanji. Malheureusement, il ne vous emmène pas vers les autres trucs. Bref. Ça aurait été génial. Voilà, ça, c'est le Robin Williams de mon enfance que j'ai adoré. Robin Williams a continué de m'accompagner, et notamment avec Will Hunting. Will Hunting, qui est un film, si je dis pas de bêtises, ce sont les frères Affleck qui ont écrit le scénar. Ouais, et c'est Gus Van Sant qui l'a réalisé. C'est réalisé par Gus Van Sant, un de mes réalisateurs favoris. Gus Van Sant, qui a fait notamment Elephant, pour son plus connu, qui a fait Harvey Milk. Récemment, qui a aussi fait Paranoid Park, qui en a fait beaucoup, ils ne me viennent pas tous en tête. Parce que, bon, bref, j'adore ce réalisateur. Paranoid et là. Park, une palme d'or. Comment ? Paranoid Park et une palme d'or. Non, c'est Elephant qui a eu la palme d'or. Ouais. Paranoid Park est un peu passé inaperçu. C'était un peu chelou, Paranoid Park, l'histoire. Bon, bref, tout ça, c'était pour vous citer les films de Gus Van Sant. Et Will Hunting, en fait, c'est l'histoire d'un homme très cardel. Alors, je lis ce que me disait Statsé. J'y avais joué au jeu de société étant jeune, triste déception en voyant que les singes ne sortaient pas du plateau. Complètement, Statsé, c'est pas faux. Mais un beau jeu Jumanji en bois, avec les vrais pions et tout. Même si les animaux sortent pas, c'est pas grave. Hein. C'est une vraie pièce de collection. C'est vrai que ouais, j'aimerais bien un petit truc comme ça. Bref. Il a été en compétition pour la Palme d'Or, Paranoid Park. Et il a eu d'excellentes critiques par Paranoid Park. Il est considéré comme un des meilleurs, voire le meilleur Gus Van Sant. Mais vous parlez pas de Ken Park, plutôt de Larry Clark. Non, Ken Park, c'est de Ken Loach. Non, de Larry Clark, oui, t'as raison. Que j'ai trouvé pas mal aussi. Paranoid Park, le film remporte le prix du 60e anniversaire du Festival de Cannes. Oui, oui. Un Independent Spirit Award et deux... Boston City of the Film Critic Award. Donc non, il a bien eu. Non, il n'a pas eu. Il n'a pas eu la palme d'or. Non, il n'a pas eu la. Oui, mais c'est rien ça. C'est comme le prix du jury, si tu veux, Chaos. Ouais, c'est comme le prix de la meilleure chips au festival de l'UMA. Et bref, donc je voulais vous parler de Will Hunting. Will Hunting, donc scénario écrit par Matt Damon et Ben Affleck, non pas par les frères Affleck, je me suis trompé, mais c'est Matt Damon et Ben Affleck. On y retrouve donc Robin Williams, on y retrouve Stellan Skarsgård, on y retrouve Minnie Driver. Je vous dis ces noms, mais Minnie Driver, je n'ai aucune idée de qui elle est. Si, c'est la meuf de Mickey Driver ? Non, c'est la meuf dans le film, je crois que c'est la meuf de Ben Affleck, je crois. C'est non, de Matt Damon. Celle qui mais rencontre. Elle est ouais, c'est une très jolie demoiselle. Donc il a été nommé 9 fois aux Oscars en 98 et en a remporté 2. Tu peux enlever d'ailleurs les images de Jumanji parce que ça va faire un peu bizarre de parler de Will Hunting là-dessus. En gros, c'est l'histoire d'un orphelin très très intelligent, mais de par son incapacité à sociabiliser, de par ses troubles un peu de violence, n'a jamais fait grand-chose, et notamment aussi parce qu'il n'a pas de thunes, et du coup, aux États-Unis, sans thunes, c'est un peu dur d'étudier. Et il se retrouve à faire des petits boulots, et il fait notamment du ménage dans une fac. Fac dans laquelle va se trouver une équation très dure à résoudre, et le seul qui va y arriver, c'est évidemment Matt Damon, son personnage, qui va réussir à résoudre ça. Il va se faire rattraper par le professeur. Il va notamment aussi avoir une altercation avec des gens dans la rue, ce qui va lui valoir d'être obligé d'aller voir une psychiatre, entre guillemets, quelqu'un qui lui file des médocs, qui est joué par une femme, je ne sais plus laquelle. Mais aussi, en parallèle, le prof l'oblige à aller voir un psy joué par Robin Williams. Et là, va se créer une espèce de dialogue entre deux personnes qui, on pourrait croire que tout oppose, mais qui, bizarrement, sont très très proches, parce que les deux sont seuls, parce que les deux ont une intelligence supérieure, mais n'ont jamais été en accord avec ce que la société veut qu'on fasse, avec les études, des chemins très différents. Je vous le conseille grandement. Moi, il m'avait mis une énorme claque. Il fait énormément réfléchir. C'est un très, très, très bon film.
Il était sorti, donc j'ai déjà dit, non, c'est en 80... Non, c'est pas lui qui est sorti en 95. Will and Till, 97, 98. Voilà, regardez-le carrément. Je suis un peu en train de voir ce que je peux dire de plus dessus. À part que le film a été tourné à Boston. C'est un des films de l'époque Ben Affleck, pré-Daredevil, où il avait encore une crédibilité à Hollywood. Ouais. Et puis il sait écrire, et puis moi ça me rappelle souvent que Ben Affleck sait écrire des scénarios. Ah oui, il a écrit avec Matt Damon d'ailleurs. Scénars, ouais. Et voilà, et puis Matt Damon aussi, c'était un peu les débuts de Matt Damon, non? Ouais, c'était les deux enfants prodiges du cinéma américain à l'époque, Ben Affleck, Matt Damon. Ils étaient promis un avenir radieux. Et bah, au final, si on fait le bilan en 2014, ils s'en sont plutôt bien sortis quand même. Ben Affleck a quand même eu l'Oscar pour Argo. Là, il arrive à l'affiche du nouveau David Fincher. Oui, donc c'est plutôt pas mal. Complètement. Ils ont eu quelques ratés, mais Elysium pour Matt Damon, Daredevil pour Ben Affleck, Pearl Harbor pour Ben Affleck. Hein. Moi, j'ai adoré Elysium. Mais c'est vrai. Après, c'est un autre débat. Ouais. Oh putain. Oh la souffrance. Ouais, Elysium. Moi, j'ai aimé Elysium. Ouais. En tout cas, il y avait de très très bonnes idées de réalisation dans Elysium. Très très bonne. Ouais. Pardon. Les Jason Bourne sont plutôt bons. Hein. Enfin, le premier, je l'ai revu il y a très peu de temps. Non, et avec les Infiltrés, on peut citer que, pour Matt Damon. Les Infiltrés. Les Infiltrés, il est génial avec Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg. Ouais. Il est exceptionnel. Donc voilà pour cette petite page Robin Williams. Ouais. Bon, ben, c'est triste. Triste. Ouais, non, franchement, ça nous a mis un coup. Hein. Un petit peu, ouais. Et alors, je me suis posé la question, bon, c'est un peu morbide ce que je veux dire, mais quel est, toi, l'acteur, vraiment, s'il doit en rester qu'un, c'est lui, quoi. C'est dur comme question. Ah, c'est dur, hein. Le premier qui m'est venu en tête quand t'as dit ça, j'ai eu Joaquin Phoenix. S'il doit en rester qu'un. Ouais. J'aime beaucoup Leonardo DiCaprio. Je trouve qu'il joue très bien. Après, le truc, c'est que moi, en tête des bons acteurs, j'ai surtout des acteurs jeunes. C'est-à-dire, je vais pouvoir citer Adam Driver, que j'adore. Je vais citer Lena Dunham, que j'adore aussi. Mais ils n'ont pas encore confirmé. Ah, on a aussi les actrices. Ah, bon, parce qu'on a aussi les actrices. Alors, là, ma liste, elle est terrible. Non, je sais pas. Joaquin Phoenix, ouais. C'est vrai, Joaquin Phoenix. Ouais. Matt Tom Hardy aussi. Daniel Day-Lewis aussi. Enfin, tellement, je pourrais en citer tellement. Mais moi, j'en ai qu'un, là. Vas-y. Bill Murray. Bill Murray, vraiment très mal au cul que Bill Murray parte. Ah, alors attends, ce qui me ferait mal au cul qu'il parte ou s'il devait en rester qu'un? Ouais, enfin, mal au cul qu'il parte. Mal au cul qu'il parte, Joaquin Phoenix, sans hésiter. J'aime beaucoup cet acteur. J'avoue, Joaquin Phoenix. Bah, en fait, non. Et en fait, Kaoru nous demande une pause. Ouais, non, il reste que 10 minutes. Et en fait, il ne reste que 10 minutes. Et du coup, on va faire un peu de news série, parce qu'on les a pas faites. Ou on répond au chat. Est-ce que tu as une news série? Ouais, vite fait la news série quand même. Et après, on répond au chat. Il nous reste que 10 minutes d'émission. Juste pour vous dire au niveau des news séries, que la série The Leftovers, créée par Damon Lindelof de Lost, a été renouvelée par HBO pour une saison 2. Voilà, pour The Good Wife, Connie Nielsen qui jouait la sœur de Joaquin Phoenix dans Gladiator. Eh ben, elle rejoint la série The Good Wife dans la saison 6. Et Ra's al Ghul apparaît dans la nouvelle saison de Arrow. Et les créateurs de la série ont dit qu'il allait... Il y a Marion Cotillard dans Arrow. Non, il allait ressembler... il allait ressembler au Bane de The Dark Knight Rises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là-dedans? Est-ce que physiquement, Ra's al Ghul va ressembler à Bane? Ce qui n'aurait aucun sens. Non, ou est-ce que c'est psychologiquement idées. Peut-être plus psychologiquement. Mais alors là, ça ne veut rien dire. En tout cas, Ra's al Ghul, c'est un leader, alors que Bane est plus un lieutenant, puisque dans les faits, c'est très clairement un lieutenant, d'ailleurs, dans The Dark Knight Rises. Donc voilà, il y a aussi, tu voulais en parler, un trailer de Better Call Saul? Oui, je voulais enfin en parler vite fait, je voulais surtout le montrer. Il dure 13 secondes. Et en plus, il n'apporte pas grand-chose, c'est Saul qui parle face cam, enfin pas face cam, mais qui oui, parle à un interlocuteur. Dit, voilà, de Better Call Saul, mon petit carreau. Du coup, oui, on a un petit trailer, voilà, c'est celui-là. Il nous apprend pas grand-chose du tout. À part que je me suis un peu imaginé que c'était Walter White, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, et il y a aussi un nouveau trailer, mais on va pas vous le montrer parce qu'il dure quand même 3 minutes. C'est le nouveau trailer de la saison 6 de Community. Vous pouvez le retrouver notamment sur le site Crossover, j'en ai fait une news. Donc voilà,
Pour les grosses actus séries, tu voyais autre chose ou pas? Il y a Jimmy Fallon, oui, qui a fait House of Cards. Il y a aussi, est-ce que tu as vu ça, Frank Underwood qui appelle Hillary Clinton en se faisant passer pour Bill. Pas mal du tout. Je l'ai vu ça. Et vu qu'on parle d'House of Cards, on a une petite info sur des membres qui seront dans la prochaine saison. Et en fait, il s'agit des Pussy Riot, ces punk rockeuses russes enfermées par Poutine qui vont apparaître dans Pussy Riot. Dans House of Cards saison 3. Ouais, et d'ailleurs, la saison 3 d'House of Cards, qui a été repoussée par Netflix parce qu'ils ont énormément de mal à la tourner. Ils ont dû changer d'état parce que l'état où ils le tournaient, où ils tournaient la série, a changé les règles fiscales qui permettaient à House of Cards d'avoir une grosse baisse d'impôts. Et après, ils ont essayé de tourner à l'ONU et la Russie s'y est opposée. Et du coup, ça repousse considérablement. Le tournage d'House of Cards saison 3 qui est donc repoussé à plus tard. Et sinon, vu qu'on parlait d'AMC avec Better Call Saul, AMC a sorti le trailer à la Comic-Con de la saison 5 de Walking Dead. On en est déjà parlé. Ça a l'air violent. Vous en avez peut-être parlé quand j'étais pas là. Ouais. Ok. Il est long, regardez-le. Il est long, il est violent. Ça se rapproche un peu plus des comics, ce qui peut me faire plaisir. Donc voilà, on verra. Voilà. Donc si vous avez des questions, il nous reste exactement 5 minutes. On répond à vos. Posez-nous vos questions. Ben, j'en ai vu une qui est passée qui demandait où est-ce qu'on peut revoir les anciennes émissions de Cult & Click. Et ben, elles seront très 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 bientôt dispo sur jeuxvideo.com, sur la chaîne Gaming Live sur YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les VOD qui sortent. Le principe, on a eu quelques problèmes comme vous savez, mais là le but étant que d'ici au 1er septembre, on rattrape absolument tout notre retard. Donc que ce soit les Meurs pas sans ton pif de Ken Bogard, que ce soit les Indéfinitivement de Mr. MV ou encore les Fun Day Wednesday de Tech, vous aurez tout dans les prochains jours, et y compris les Cult & Click. Donc jeuxvideo.com ou sur Dailymotion, la chaîne Gaming Live, ou sur YouTube, la chaîne Gaming Live aussi. Une question, avez-vous vu The Strain? Tu l'as vu toi, la série de Guillermo del Toro? Non. Bah moi j'ai regardé les deux premiers épisodes et franchement non, j'ai déjà eu un culte technique mais j'ai vraiment trouvé ça nul. Ouais. Ça part dans tous les sens, c'est mal joué, l'intrigue tient pas du tout. J'ai vraiment, pour l'instant, après deux épisodes, j'aime pas du tout. Il y a une remarque sur le chat qui disait on n'a pas parlé du cercle des poètes disparus, on ne peut pas parler de tous les films de Robin Williams pendant les deux heures. Que pensez-vous du Baron Munchausen? Moi j'ai vu il y a longtemps, enfin il y a quoi, 5-6 ans. Ça me dit rien. Si, c'est très spécial. Comme film, mais moi j'avais plutôt aimé ce film, dans lequel joue Robin Williams également. Il y a Koala, on va se lancer un peu de fleurs, qui nous dit « Vous avez réussi à me captiver pendant deux heures, félicitations et merci ». Et ben merci à toi surtout d'être resté, de nous avoir écouté, merci ça à vous fait tous. Très plaisir. Merci à vous tous. Carrément, merci à tout le chat, merci aux exactement 2,8 millions ce soir. Ouais, dis donc. C'est pas beaucoup. Non, Hatchoum dit « Pour débuter avec Joaquin Phoenix, quel film tu conseilles ?» Pour débuter avec Joaquin Phoenix ? Ouais. Bah, j'allais dire Walk the Line, mais il est un peu long à mater. Et si t'aimes pas la country, regarde pas Walk the Line. Gladiator, hein, pour débuter avec Gladiator, c'est pas mal. Gladiator. Enchaîne avec Signe de Shyamalan. Moi, je l'ai adoré dans Signe, vraiment. Et enchaîne avec son trip où il s'est fait passer pour un rappeur. Je sais plus le nom du truc, mais pendant un moment, il a fait peur à tout le monde qu'il arrêtait le cinéma et qu'il devenait rappeur. Et ça, c'était génial. Et il avait une barbe comme ça. Ouais. Un documentaire de Casey Affleck, dont j'ai oublié le nom et j'ai honte. Et l'autre film avec lequel vous pouvez commencer Joaquin Phoenix, c'est Her, bien évidemment, sorti cette année et qui est excellent. Alors, vu que tu l'as vu, j'en profite. On nous demande si tu pouvais donner une note sur 10 à La Planète des Singes 2. 7. 7 ? Ouais. Très bonne note. I'm still here de... Ouais. Très bonne note. La Care Girl de la semaine. Kate Mara avec son Ice Bucket. Non, Kate Hudson pour son incroyable interprétation dans le rôle de ma vie. Vraiment. Et Akane qui dit... Oula, j'ai du mal à parler moi ce soir. Akane qui nous dit non, arrêtez de les congratuler, ils se sont fait incorporer dans le système, ils finissent les émissions à l'heure, non à la dictature capitaliste. En fait, je vous explique pourquoi on finit plus tôt, c'est que j'ai l'obligation d'être rentré ce soir chez moi, je dois donc prendre le train. D'ordinaire, ça n'est pas le cas, donc on peut finir plus tard. Nos films préférés avec Jim Carrey, eh ben bizarrement, moi j'adore... Moi c'est Dumb and Dumber. Bah menteur, que j'adore. Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi. The Truman Show de Peter Weir. The Truman Show, complètement. Peter Weir qui est le réalisateur du cercle des poètes disparus. Et Aide-moi avec Morgan Freeman qui fait Dieu. Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, merci.
Ouais, Bruce Tout-Puissant. Alors, je ne parlerai pas d'Yes Man parce que je trouve que c'est une sombre merde, Yes Man. Tu l'as vu, Yes Man? Ouais, et moi je trouve ça pas si mauvais que ça. Ace Ventura, The Mask. Attends, Jim Carrey, tout est bien. On va pas citer Kick-Ass vu que lui-même a détesté. Ouais, et puis Kick-Ass 2 est pas terrible. Autre question, tiens, si je mettais une note sur 10, tu mettrais combien toi, Gardien de la Galaxie? 6. Oh, moi, je mets 5, 6. 5 et 2. Dans son genre, je lui mets 9. Non, parce que par exemple, je mettrais 7 à Avenger. Ouais, t'es dur. Est-ce qu'il y a... Alors, je vous rappelle, j'en profite qu'il y ait une pause dans les questions, que si vous en avez l'envie et le temps surtout, n'hésitez pas à faire des montages un peu parodiques. Food Irene. J'ai adoré Food Irene. Oui, et vrai. Je suis tombé complètement amoureux de Renée Zellweger dans ce film. C'est le seul film où j'ai été amoureux de Renée Zellweger. Mais alors, Food Irene, qu'est-ce qui m'a fait rire? Putain. On nous demande de... Alors, je finis juste ce que je dis et après, on donnera notre film culte. Je disais donc, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à faire des affiches parodiques avec les têtes de mes deux autres compatriotes et moi-même de Cult & Click, que ce soit Big Big, que ce soit Kier, que ce soit moi. Envoyez-les-nous sur Twitter à ncardel, à ygkier ou à gregisbigby. On les regardera, on fera un top 10 et peut-être avec des lots à gagner, notamment un voyage aux Bahamas en compagnie de Kier. Voilà. Voilà, et de Jennifer Lawrence, bien évidemment. Et de Jennifer Lawrence. On termine, tu voulais dire quoi notre... Ton film culte. Si je veux regarder avec un. Ouais. Moi, je pense que je peux pas vivre sans American Beauty. Ouais. Ouais, American Beauty. Ouais, American Beauty, ouais, je suis d'accord. C'est mon et film préféré. Et moi, bizarrement, je vais choisir Across the Universe. De Julie Taymor avec Jim Struggess, qui j'en avais fait, c'est mon coup de cœur de la toute première émission Cult & Click. Ah oui, je me rappelle. C'est sur, c'est une sorte de comédie musicale, mais ne vous arrêtez surtout pas au terme comédie musicale parce que ça n'a rien à voir avec Moulin Rouge par oui, exemple. Oui, parce c'est que c'est comme La Reine des Neiges en fait, ils chantent beaucoup le soleil, la pluie, la mer. Et en fait, c'est un truc sur les Beatles où en gros ils se sont servis de chaque album des Beatles représente une époque et donc les protagonistes vont évoluer dans ces époques-là. Que ce soit donc le début de la guerre, les années 60, le mouvement hippie, ils vont croiser la route notamment de Jimi Hendrix ou de Janis Joplin. Et en fait, ce sont des personnages où chaque chanson des Beatles a un sens précis au moment où elle est balancée et au moment où ils la chantent. C'est super bien foutu. Je vous conseille Across the Universe. C'est, alors, autre question, c'est un PD le gars à gauche. C'est qui le gars à gauche? C'est moi. Parce que je suis à gauche sur l'écran. J'étais obligé de la lire, celle-là. Eh ben non, mais... Mais je savais pas si c'était ça. Ben non, non, on n'est pas homosexuel, ben mais ben on salue nos amis homosexuels. Et on les salue, bien sûr. Ouais. Et ta remarque, AA, elle est complètement débile. Hein? Donc, bah écoute. Ça fait beaucoup rire, mais d'ailleurs non, et d'autant plus que ma copine est au cinéma la dernière nuit, voilà. Vous voulez aller le voir? Ouais. Et la mienne, par contre, bon, elle est pas au cinéma. Moi si. Mais tu lui as pas dit. Oui. Allez. C'est le moment de dire au revoir. On salue tout le monde, Neymar, Pixel to Shop, bien évidemment Asran, le Marquis de Sade, tous les habitués. N'hésitez pas à nous flouder la semaine sur Twitter, on adore ça et on y répond avec plaisir. On salue aussi Luc Besson et Moulfrit, bien évidemment. Et puis Carotte, notre princesse. Notre princesse, princesse Carotte. Princesse Carotte, ouais. Et il y a Medjai qui a essayé de lui faire dire des trucs vraiment salaces cette semaine. Oui, j'ai vu. Et j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse de la part de Medjai. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment dégueulasse, on ne touche pas à Princesse Carotte. On vous salue, on vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt sur Gaming Live. Ciao! Wouhou! Eh bien, rebonjour, Cult & Click, c'est reparti. Non, je déconne. Non, en fait, je reviens vous voir parce qu'on a oublié de vous diffuser quelque chose. Vous allez voir dans quelques minutes, le temps que je l'apporte à Kaoru, le coup de cœur de Big B sur un film qui s'appelait Au-delà de nos rêves, qui était joué par Robin Williams, justement. Donc, restez là, le coup de cœur arrive et de suite après, vous aurez des rediffs. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. À plus! Je vais vous parler du film qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Et oui, ce film qui a un titre qui ne donne pas envie d'aller voir ce film et qui en anglais s'appelle What Dreams May Come. Beyond Our Dreams. Et donc, qui est un film qui est fait par Vincent Ward. Ah, Vince Ward.
Exactement, qui n'a fait aucun autre film, le notable. Donc vraiment, on est sur un film qui peut vraiment rester dans son placard. Personne n'ira le faire chier, quoi. Clairement, le film peut rester tout seul. En plus, le scénario, c'est quoi ? Robin Williams, père de famille, médecin, etc., a perdu son jeune fils il y a quelques années. Et lui-même, alors je ne spoil rien, et lui-même va mourir dans les 10 premières minutes du film. Robin Williams, il meurt dans les 10 premières minutes du film ? Oui. Mais après, il revient déguisé en femme de... Juste on se comprend. 4 years later, c'est son fils est mort il y a 4 ans, et lui, donc au bout de 10 minutes de film, meurt. Et donc, là, j'ai envie de dire, pour l'instant, je vous donne pas envie de rêver, de kiffer la vibe du film, clairement. Eh bien, ce film, moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Je dirais pas qu'il est dans mon top 5, parce que cette notion est un peu galvaudée, mais je dirais que ce film est un peu clairement dans mon top 10. Donc, en fait, Robin Williams va mourir et on va le retrouver dans une espèce de purgatoire, paradis, on ne sait pas très bien. Et en fait, il se retrouve dans un univers où c'est comme si à chaque fois que quelqu'un mourait, il se retrouvait avec un univers qu'il pouvait créer. Et c'est ton pouvoir de l'imagination qui va faire exactement ce que tu veux. Et du coup, il y a des gens qui se créent leur propre cauchemar en permanence. Donc souvent, les suicidés sont dans ce qu'ils appellent l'enfer, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un univers qu'ils se sont auto-créés pour s'auto-flageller en permanence. Tandis que ceux qui sont plus ou moins en paradis, c'est juste des gens qui sont équilibrés et du coup s'éclatent à créer des trucs, etc. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom du film ? Ça s'appelle « Au-delà de nos rêves » avec donc Robin Williams. Et donc le truc, c'est que de ce préambule de base, en fait, ce film a dans les images, dans les plus folles que j'ai vues, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir le paradis, l'enfer, il y a une impression de dantesque complètement fou. Les décors, on sent que les décors ont été peints par des maîtres graphistes. Et du coup, plus on avance, plus on va comme ça dans un univers d'une personne, puis d'une autre, etc. Et sans avoir de twist scénaristique incroyable, on est pourtant porté par, du coup, forcément Robin Williams, ce qu'il veut, c'est aller voir son fils, qui lui-même est décédé. Et donc on est porté par cette recherche du père qui va essayer de trouver son fils au paradis ou en enfer. On ne sait pas où est-ce qu'ils peuvent être. Et du coup, je vous conseille de voir ce film. C'est un des plus beaux films que j'ai pu voir en termes d'image, mais également en termes de sentiment. Alors là, je vous conseille un peu un film qui ne va pas être un film de... Vous n'allez pas vous marrer à chaque fois. Oh mon Dieu, il est décédé. Mais ça n'en reste pas moins un film qu'il faut voir. Parce que de temps en temps, le cinéma, c'est aussi d'autres tonalités d'émotions. Et vraiment, quand je vous dis que c'est dans les images les plus marquantes, je voulais mettre des artworks, etc., du film là, mais le problème, c'est que chacun des tableaux, en fait, a une vraie explication dans le film. Et que quelqu'un qui regarderait ce film après avoir vu tous ces artworks serait spoilé de successivement tous les univers. Donc...